et si vous observez, est observé lors de la séance. Et puis, procédure pour les questions, ça va être à la fin de la présentation de M. Jean-François Vien, qui est urbaniste à l'atelier urbain. Fait qu'après ça, je pense que c'est pas mal tout. Fait que M. Vien, c'est moi qui va gérer les questions. Fait que vous aurez juste à lever la main. Et puis, à tour de rôle, à la fin, si vous avez des questions à poser, je vous dirai de le mettre. Enlever votre micro, votre sourdine, puis de poser votre question. Fait que monsieur vient de l'atelier urbain, vous pouvez commencer. Merci. Moi, je ferme mon micro. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donnez-moi juste une petite seconde. Je vais connecter la présentation. Diaporama. Est-ce que vous voyez bien? Tout le monde voit l'image? Oui. Montrez-moi votre pouce là. OK. Super. Donc, comme ça a été mentionné, il va y avoir une période pour les commentaires et les questions à la fin de la présentation. Fait que s'il vous plaît, juste attendre à ce moment-là, prenez-le en note, puis on va prendre tout le temps nécessaire là, pour pouvoir tous vous entendre, puis essayer de vous répondre là, du mieux possible par rapport à vos questions. Donc, ce soir, c'est une séance d'information publique pour présenter le plan et les projets de règlement de plan et de règlement d'urbanisme dans le cadre de la refonte réglementaire qui est amorcée depuis un petit moment déjà. On va rentrer dans le détail. Rapidement, je me présente, là, Jean-François Vien, je suis urbaniste pour la firme de l'Atelier Urbain. On est consultant en urbanisme. On travaille avec des municipalités un petit peu partout au Québec. Puis on travaille avec Notre-Dame de la Merci déjà depuis, je pense, 5 ou 6 ans, là. J'en ai perdu un petit peu le compte. Donc, on connaît très bien votre territoire. On connaît très bien le territoire de la MRC aussi parce qu'on travaille avec d'autres municipalités dans le coin. Puis, on connaît très bien là, votre équipe en place et le conseil municipal. Donc, ça nous a facilité grandement dans notre travail, cette bonne connaissance-là. Un petit ordre du jour, rapidement, au début, on va survoler bon, le contexte là, de pourquoi on est ici, la démarche à travers laquelle on a passé là, pour réaliser la refonte. Un petit retour peut-être sur quelques petits principes de base urbanistique que je pense qu'ils sont importants que tout le monde comprenne dès le départ. Une présentation du plan d'urbanisme qui va vous être faite. On va discuter bon, de l'énoncé de vision, des enjeux qui ont été relevés sur le territoire à travers les différents exercices là, qui ont lié à la, qui ont mené à la production du plan d'urbanisme. Et on va aussi regarder les différentes orientations et objectifs en fonction de différentes thématiques là, qui sont incluses dans le plan d'urbanisme. Je vais vous expliquer aussi un petit peu plus en détail c'est quoi un plan d'urbanisme plus tard. Et on va regarder aussi les principales modifications là, aux différents règlements d'urbanisme qui s'appliquent sur votre territoire. On va regarder les faits saillants de ça. Puis, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans la période des commentaires, des questions, là, on pourra adresser là, les questionnements que vous pourriez avoir. On va aussi survoler les procédures d'adoption, parce que présentement, on est en période d'adoption de ces outils urbanistiques-là. Qu'est-ce qui est passé, où nous en sommes présentement et quelles sont les étapes à venir, parce que ce n'est pas fini, pas encore. Et il y a aussi certains ajustements là, déjà là, qui sont proposés par rapport à la version projet de règlement qui a été adoptée. On regardera ça rapidement ensemble pour que vous soyez au courant. Et au final, il y aura la période de questions et de commentaires où on va vous donner la parole pour vous permettre de vous exprimer par rapport à ce que vous avez pu voir à l'intérieur des documents, peut-être même entendre ce soir. Rapidement, au niveau du contexte puis de la démarche, bon, pourquoi on est ici bon, ce soir, mais pourquoi on est en train de faire ça, aussi une refonte du plan d'urbanisme et de la réglementation d'urbanisme à Notre-Dame-de-la-Merci, c'est, en gros, ça démarre avec l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Matawinie, qui a eu lieu le 16 janvier 2018. Le schéma d'aménagement de la MRC, c'est un document de planification de l'aménagement régional qui s'applique à l'ensemble de la MRC.
C'est un document que la MRC travaille depuis plusieurs années, là, pour ne pas dire 15-20 ans. Donc, c'est un règlement qui était attendu, le schéma d'aménagement est attendu depuis déjà longtemps. Puis c'est ça qui a été, si on veut, le point de départ de la refonte. Ce qu'on y retrouve dans le schéma d'aménagement, bien, il y a six grandes orientations d'aménagement du territoire, donc des orientations régionales qui doivent être traduites après ça par les municipalités locales. Entre autres, ça touche la gestion de l'urbanisation, la gestion des ressources sur le territoire, la protection de l'environnement, le développement économique, la qualité de vie des citoyens et tout ce qui est relatif au transport. On y retrouve aussi, à l'intérieur du schéma d'aménagement, les grandes affectations du territoire. Donc, déjà au niveau régional, c'est indiqué où on peut retrouver dans les différentes municipalités qui composent la MRC, différents types d'usages. Donc, par exemple, les endroits où il va y avoir de l'activité industrielle, il va y avoir de l'activité résidentielle, de l'activité de villégiature. Donc, de manière régionale, c'est déjà identifié. Et il y a aussi, joint au schéma d'aménagement, le document complémentaire qui comprend une panoplie de normes, de règles qu'on se doit d'inclure à l'intérieur de la réglementation d'urbanisme, des règles sur la protection de l'environnement, etc., là, protection des berges, des rives littorales, milieux humides et tout, qui doivent être traduits à l'intérieur des règlements locaux. Quand une MRC adopte son schéma d'aménagement, puis qui rentre en vigueur, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme oblige l'ensemble des municipalités constituantes de la MRC de revoir ses outils urbanistiques, donc son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme en concordance. Donc, le travail a été fait au niveau régional. Après ça, c'est à chacune des municipalités de modifier leurs outils pour s'assurer de faire percoler les décisions de planification régionale à un niveau local. Et la loi donne un délai de 2 ans pour réaliser ça. Là, probablement que vous avez remarqué, là, 2018, 2 ans, on est rendu en 2021, on est plus dans l'ordre de 3 ans, dans la mesure où la municipalité a décidé de faire une refonte complète de ses règlements et pas seulement juste une conformité de base. Il y a un délai supplémentaire qui a été demandé au ministère pour pouvoir réaliser, là, aller un petit peu plus loin. Puis il y a aussi la pandémie là aussi qui a joué là. Bon, je pense que tout le monde est au courant la dernière année là qui a affecté beaucoup de monde puis qui a ralenti un peu le travail. Donc c'est pour ça que nous en sommes ici aujourd'hui, 3 ans plus tard. Comme je mentionnais, la municipalité, le conseil municipal a décidé plutôt que de faire juste le strict minimum puis de dire ben on va prendre nos règlements qu'on a, notre plan d'urbanisme, on va les patcher. Puis on va juste les ajuster au strict minimum pour les faire concorder avec ce qui est prévu à l'échelle régionale. Il y a une décision qui a été prise de faire vraiment là, un remplacement complet là, de tout ce qu'il y avait. Là. Vos documents étaient, on peut le dire, désuets. Ça datait de 1996. Ça avait été fait à une toute autre époque. Puis on se retrouve 25 ans plus tard. C'est sûr que tu sais, tout ce qui était inclus à l'intérieur de ces outils-là n'était plus du tout à jour, donc ça nécessitait un travail assez important. C'est rendu plus facile de recommencer entre guillemets à zéro que d'essayer de patcher là, pour faire la concordance. Donc, ça a été vu comme une opportunité de moderniser puis de bonifier les règlements d'urbanisme qui étaient en place. Avec les années, il y a plein de petites bébites qui se ramassent, plein de trucs qui ne fonctionnent pas, puis des petites coquilles. Puis, fait que là, c'était le moment là, de faire le ménage là-dedans, puis simplifier aussi l'utilisation puis le fonctionnement de ces outils-là. Au niveau de la démarche, je pense que vous voyez ma souris hein, quand je la bouge. Oui, je vois des oui de la tête. Donc, ça a commencé en 2018. Au début, ça a été beaucoup une phase là, acquisition de données, analyse des documents, on est allé chercher des statistiques, on est allé chercher des projections, on a travaillé avec l'équipe à l'interne à la ville, on a travaillé avec le conseil municipal pour se faire un exercice de vision. Mon conseil municipal représente la population, on connaît bien vos demandes, vos besoins. On a développé les bases d'une vision d'aménagement tous ensemble qui a été présenté et discuté en consultation publique. Il y a eu un exercice de consultation publique en juin
2019. C'était la salle communautaire, là, si je me souviens bien, là, l'emplacement. Puis certains d'entre vous avaient peut-être participé. Il y avait des tables rondes, puis vous pouviez faire le tour. Puis en fonction de différentes thématiques, on demandait aux gens de contribuer en nous donnant en discutant de moyens de mise en œuvre. Donc, on se dit, bon, ben, comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre la vision sur le territoire? Donc, à travers quels moyens vous jugez que ça serait intéressant là, d'aller? Il y a eu, suite à ça, donc on a pris toute l'information de la population à ce moment-là. On l'a traité et on a fait les premières propositions de. N'oubliez pas, s'il vous plaît, juste de fermer vos micros là, si vous connectez. Première proposition de plan d'urbanisme qui était. On est à la fin de l'année 2019, qui était évaluée par le conseil et l'équipe administrative de la municipalité. Suite à ça, en 2020, ça a été la rédaction des règlements d'urbanisme, donc qui ont été travaillés. Il y a quand même beaucoup de travail qui a été mis là-dedans. Si vous avez eu la chance de jeter un coup d'œil et de regarder, là, vous pouvez voir que c'est assez important, là, le volume de pages, là, puis d'éléments. Puis comme on repartait à zéro, puis on a vraiment fait des belles bonifications, des croquis, des choses comme ça, ça a pris le temps et on voulait bien prendre le temps de bien le faire aussi. Et en début d'année, donc, il y a eu la validation avec les gens de la municipalité. Et nous sommes ici présentement dans les procédures d'adoption. Donc, les premières étapes ont déjà été faites. On va regarder plus loin en détail, là. Donc, le projet de règlement a été adopté. Et c'est ce qui nous amène, ce qui nous a amené dans les dernières semaines à faire la consultation publique prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En temps normal, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige une assemblée de consultation publique qui normalement se fait en présentiel, là, qui est une soirée, un peu à l'image de ce qu'on fait ce soir en virtuel, mais en présentiel. Puis on a la chance là, de faire exactement cette même présentation-là qu'on aurait faite normalement et de discuter avec vous. En fonction de la situation du décret gouvernemental là, 433-2021 du ministère de la Santé, c'est impossible de tenir des assemblées avec les gens là, en présentiel. Donc, les consultations ont été remplacées par des consultations écrites d'une durée de 15 jours, qui est comme le minimum exigé. Et en discutant avec le conseil, on s'était dit que ce serait intéressant de tenir quand même un exercice. Une soirée d'information, consultation réelle, là, ce qu'on est en train de tenir ce soir, pour vous aussi vous permettre de dire de vive voix là, et d'entendre aussi ce que les autres ont à dire sur les projets de règlement. Puis, pour votre gouverne, la portion de la consultation écrite, nous, on a compilé les éléments qui ont été discutés ou questionnés, puis à la fin, on va les regarder. Ça l'a déjà amené à des réflexions et à des ajustements. Les principes de base que je disais tantôt là, que je voulais peut-être faire part avant de rentrer dans tout ça, qui sont importants de comprendre, c'est comme je l'ai mentionné tantôt, là, bon, toute cette démarche-là découle de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement. C'est qu'on a une obligation de se conformer avec le schéma d'aménagement. C'est un peu le jeu des poupées russes. Au niveau des ministères, il y a différentes orientations qui gouvernent l'aménagement à l'échelle du Québec. Les différentes MRC doivent produire des schémas d'aménagement qui sont conformes avec ces orientations là du ministère. Puis quand ça s'est fait, après ça, c'est au tour des différentes municipalités de faire leur plan d'urbanisme, le règlement d'urbanisme, qui doivent être conformes au schéma d'aménagement. C'est un peu le jeu des poupées russes, dans le sens là, au plus haut niveau, il y a les orientations du ministère, ensuite, c'est les MRC. Avec les schémas. Ensuite, c'est les plans d'urbanisme. Puis en dessous de tout ça, il y a la réglementation d'urbanisme. Et le principe de conformité, le principe de concordance là, qui est super important là-dedans, c'est qu'on peut toujours être plus sévère que ce qui nous est dicté par le niveau supérieur, mais on ne peut jamais être plus permissif. Donc, si il y a quelque chose qui est interdit dans le schéma d'aménagement de la MRC, on ne pourrait pas nous décider de le permettre dans notre plan d'urbanisme ou dans nos règlements d'urbanisme. Par contre, s'il y a une norme applicable dans le schéma d'aménagement,
on pourrait toujours décider d'être plus sévère pour des raisons locales, protection de l'environnement, des choses comme ça, où on veut régir différemment certains types, là, ou plus intensément certains types d'usages. Ça, il y a toujours possibilité de le faire. Donc, c'est important de bien comprendre ça parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans le plan d'urbanisme, qui sont dans les règlements d'urbanisme, qui nous sont dictées, si on veut, par la MRC. Donc, on n'a plus une marge de manœuvre pour les changer. Il faut absolument que ça soit là. On pourrait toujours être plus sévère, mais on ne pourrait pas être plus permissif. Un autre principe de base, dans le fond, c'est de distinguer qu'est-ce qui est quoi. Le plan d'urbanisme, c'est l'outil de planification le plus important de la municipalité au niveau de l'aménagement de son territoire. C'est à l'intérieur du plan d'urbanisme qu'on va venir définir la vision puis les intentions d'aménagement. Donc, ça devient comme un outil de référence qui, dans le temps, va permettre aux citoyens de savoir vers quoi la municipalité s'en va, aux investisseurs de comprendre où la municipalité s'en va, aux décideurs, même aux élus, de bien se rappeler, bon, c'était quoi la vision là, qui avait été travaillée? Ce n'est pas juste eux, là, la vision, là, ça a été travaillé avec la population. Là, on avait fait l'exercice de consultation ensemble. Donc, ça émane d'un peu de tout le monde d'un commun accord. Donc, c'est aussi, tu sais, dans le temps, quand il y a des projets qui sont déposés, puis on ne sait pas sur quel pied danser, mais on peut toujours venir réévaluer par rapport à la vision originale. Les règlements d'urbanisme, eux, servent au jour le jour pour venir encadrer puis contrôler les différentes interventions qui peuvent se passer sur le territoire. Donc, des nouvelles constructions, des agrandissements, des coupes d'arbres, des aménagements de terrain, puis ces choses-là. Donc, c'est les outils qui viennent permettre la réalisation, si on veut, de la vision sur le territoire. L'énoncé de vision, je vais vous le lire rapidement, mais en gros, c'est un peu comme la base de ce qui est souhaité. Puis les visions de plan d'urbanisme, on fait ça toujours sur une base d'à peu près 10-15 ans, parce qu'on ne peut pas tout faire au jour 1. Il y a des moyens limités, il y a des choses qui prennent du temps. Mais l'objectif, c'est qu'on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on voudrait pour Notre-Dame-de-Merci d'ici 15 ans, mettons. Puis donc, nous, on prend un beau petit chiffron, là, 20-35, là, pour notre à peu près 15 ans. Puis ce qui est souhaité, dans le fond, c'est décliné en différentes thématiques. Puis les différentes thématiques, après ça, il y a un diagnostic qui est rattaché à ça dans le plan d'urbanisme. Il y a des enjeux qui sont identifiés, des forces, des faiblesses, mais il y a aussi des orientations, des objectifs et des moyens de mise en œuvre. Donc, je vais vous faire la lecture rapidement. Au niveau de la première thématique, qui est les milieux de vie, donc les endroits où les gens vivent, interagissent. En 2035, la population permanente de Notre-Dame-de-la-Merci se sera accrue. Le réaménagement de la rue principale, la présence d'un noyau dynamique, l'implantation d'une salle de spectacle et d'un centre multiculturel et sportif auront incité la population de passage à s'installer définitivement à Notre-Dame-de-Merci. La vie communautaire et collective sera omniprésente par la mise sur pied d'une maison des jeunes et de nombreux organismes. Donc, c'est un peu comme une liste de souhaits qu'on aimerait voir se réaliser dans la durée de vie du plan d'urbanisme. Au niveau du développement économique, en 2035, Notre-Dame-de-Merci sera reconnue pour ses centres de santé et de détente. L'offre d'hébergement, courte ou moyenne durée, sera facilement disponible et aura une image distinctive propre à Notre-Dame-de-Merci. Le pôle économique accueillera un marché de produits locaux, des commerces de proximité et les emplois seront de qualité. L'offre touristique sera de grande valeur et diversifiée. Notre-Dame-de-Merci sera un milieu de choix pour les vacanciers et les villégiateurs. Donc, on peut voir un petit peu l'axe là, qu'on voudrait donner au niveau du développement économique pour les années à venir. Au niveau du milieu naturel, des paysages, de la protection de l'environnement, en 2035, les montagnes et les lacs seront préservés et seront utilisés de manière responsable. Tous les usagers des sites naturels seront conscients du caractère particulier du milieu naturel de Notre-Dame-de-Merci et tous auront à cœur le maintien de la biodiversité. Les activités de formation liées à la protection de l'environnement attireront bon nombre de citoyens et citoyennes et feront la renommée, pardon, de la municipalité. Et le dernier thème qui est abordé dans le plan d'urbanisme, qui est la mobilité et le transport. En 2035, les réseaux de transport à caractère collectif desserviront les Merciens et les Merciennes. Un service d'accompagnement en transport sera disponible afin que tous les résidents puissent avoir accès aux services de base, tels que l'épicerie, la pharmacie, les cliniques dentaires ou médicales. La présence de bornes de recharge pour les véhicules électriques sera disponible, et ce, en quantité suffisante pour la demande croissante. Les parcours piétonniers et cyclables seront réaménagés de manière à assurer la sécurité de tous. Bon, pardon. Ça vous donne un portrait. Donc, c'est un peu la vision globale
idyllique là, de ce qu'on souhaite pour notre âme de la merci. Après ça, c'est bon, mais comment est-ce qu'on peut atteindre ça? Comment est-ce qu'on peut le réaliser? Ça passe à travers des orientations et des objectifs. Le premier thème qui est les milieux de vie, bon, comme je vous disais, là, c'est sûr que tu sais, c'est un résumé que je fais, mais dans le plan d'urbanisme, il y a, sur chacun chacune des thématiques, il y a un diagnostic, il y a des données statistiques, une évaluation qui est faite, on a identifié les forces et les faiblesses, autant en travaillant bon, de notre côté avec l'information qu'on avait, le schéma d'aménagement, le conseil municipal et la population aussi quand on s'est rencontrés. Mais à ce niveau-là, ce qui était ressorti, je pense, le plus fort au niveau des enjeux, c'était que l'offre résidentielle était peu adaptée au vieillissement de la population. Donc, à l'avenir, il y aurait de voir la possibilité là, de venir diversifier un peu cette offre-là. Les typologies d'habitation peu diversifiées obligent certains ménages à quitter le territoire, à ne pas venir y résider. Donc, ça va encore un petit peu dans le même sens. La préservation et la requalification de l'Église comme legs patrimonial à la communauté. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer ça dans le temps? Et les prévisions démographiques à la baisse accroîtront les disparités entre les résidents permanents et les villégiateurs. Donc, ça, c'est peut-être à voir si, en fonction aussi de la pandémie, puis du désir des gens de s'installer à l'intérieur des grands centres, si ça ne va pas déjà venir pallier à ça, en tout cas venir faire évoluer cet enjeu-là. Ça sera à voir là, dans les années à venir. Donc, pour répondre à ces enjeux-là et au reste du diagnostic, il y a une orientation qui était élaborée pour les milieux de vie. Donc, l'objectif, l'orientation, là, vraiment, là, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un milieu de vie accueillant, offrant un cadre bâti d'une qualité accrue et adapté à la demande. Et comment est-ce qu'on peut atteindre ça? C'est à travers différents objectifs. Et là, je vais vous présenter juste les orientations et les objectifs, parce que sinon, on en aurait pour toute la soirée. Parce qu'associé à tous ces objectifs-là, il y a toute une liste aussi de moyens de mise en œuvre. Donc, comment est-ce qu'on va le faire à travers différents outils? Des fois, ça peut être réglementaire, des fois, ça peut être des programmes, des fois, ça peut être des stratégies XYZ. Donc, vous pourrez regarder là, à l'intérieur du plan d'urbanisme, peut-être le fin détail, si vous êtes curieux de savoir comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs-là. Mais en gros, les objectifs pour atteindre cette orientation-là, c'est d'adapter l'offre de logement pour tout type de ménage, d'améliorer le cadre bâti existant et d'assurer une qualité du cadre bâti futur, protéger et promouvoir les établissements et lieux d'importance sur le territoire, donc que ce soit des bâtiments patrimoniaux, s'il y en a qui sont identifiés, bon, on avait parlé de l'église et certains bâtiments qui sont dans le noyau, ou sinon, des fois, là, des bâtiments, des structures qui sont identitaires pour les gens de Notre-Dame-de-la-Merci, ou même des fois les passants, les visiteurs. Maintenir et améliorer les services communautaires et institutionnels sur le territoire et favoriser la consolidation des activités à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Le deuxième thème, qui est le développement économique, les enjeux qui ont ressorti par rapport à ça, l'absence d'une offre commerciale en commerce et en services courant sur le territoire a un impact négatif là, sur le dynamisme du noyau villageois. On vous avait mentionné là, qu'à une certaine époque, là, il y avait des hôtels puis il y avait déjà un petit peu plus d'action. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder. Peu de travailleurs disponibles pour combler les nouveaux emplois, ça nous avait été soulevé aussi. Fait que ça, c'est un défi aussi. Là. C'est bien beau voir l'activité économique puis des commerces, etc., mais ça prend aussi la main-d'œuvre pour les faire rouler. Le manque d'hébergement de courte durée, bon, ce qui pourrait être du sans réservation, entraîne des pertes économiques liées au tourisme. Donc, c'est des potentiels là, de captation, clientèle de passage ou de villégiature touristique là, qui peut-être se perdent à ce niveau-là. Et le manque de commerce axé sur le tourisme incite les voyageurs à s'approvisionner dans les municipalités voisines. Fait que ce soit des commerces pour offrir des services à la clientèle touristique ou même des biens qui peuvent servir à des activités touristiques. L'orientation associée à ça, c'est, dans le fond, on souhaite un milieu économique correspondant aux besoins des Merciens et des Merciennes, tout en offrant des produits et services pour une clientèle de passage, donc que ce soit complémentaire à ça, que ce soit autant bénéfique pour les citoyens, mais aussi pour les visiteurs. Et les objectifs pour atteindre cette orientation-là, c'est de faire la promotion des activités et des commerces qui sont déjà présents sur le territoire,
par les discussions qu'on a eues, il y a des gens qui étaient surpris d'entendre d'autres personnes à la table dire, ah, ben, il y a telle activité qui est disponible ou qui est présente. Ah, ben, je reste ici ou je passe mes fins de semaine ici, puis je ne le savais même pas. Soutenir la mise en place de nouveaux commerces de proximité ainsi que les commerces reliés à des activités de récro-tourisme, donc à travers programmes de soutien ou même s'assurer que la réglementation d'urbanisme ne vienne pas mettre des bâtons dans les roues à des nouvelles activités commerciales qui pourraient se développer dans le foyer villageois, là, par exemple. Et encourager la création d'emplois de qualité. Le troisième élément, qui est le milieu naturel, le paysage, la protection de l'environnement. Au niveau des enjeux, ce qui avait été soulevé, c'est les besoins en matière de nouvelles typologies de logements posent un défi quant à l'intégration du bâti dans le milieu naturel. Il y a de la demande pour du logement locatif, des fois des bâtiments qui sont un petit peu plus costauds, des résidences pour personnes âgées, des choses comme ça, des centres de villégiature, ce qui fait que des fois, on a un défi particulier à venir intégrer ces bâtiments-là dans le milieu naturel pour protéger les paysages aussi, protéger la nature, dans la mesure où la réglementation était désuète à ce niveau-là. Il y a un bon coup de barre, là, je pense, qui a été donné avec la nouvelle réglementation sur la protection des milieux naturels. L'exploitation de la ressource forestière réalisée de manière durable et respectueuse du milieu. Il ne faut jamais oublier là, non plus qu'à Notre-Dame-de-la-Merci, bon, il y a beaucoup de terres publiques, puis on n'a pas tous les pouvoirs ou les coups des franches là, pour pouvoir contrôler, si on veut, l'exploitation forestière sur le territoire, mais c'est la responsabilité de la municipalité de faire des représentations à ce niveau-là, de se faire entendre. Je pense que dans les dernières années, il y a des tables de discussion qui ont été mises en place pour pouvoir permettre ça. Donc, c'est déjà positif pour continuer dans ce sens-là. Et la promotion et l'affichage directionnel des attraits naturels sont améliorés. Donc, je l'ai mentionné tantôt, là, c'est pas tout le monde qui était au courant de tout ce qu'on pouvait retrouver comme paysage ou même attrait naturel de qualité sur le territoire. Donc, à ce niveau-là, on pourra en faire peut-être une meilleure promotion, autant pour les résidents que pour les visiteurs. L'orientation, c'est aussi simple que de désirer un milieu naturel protégé et prisé de tous. Ça s'obtient ça à travers les objectifs suivants. D'identifier et de promouvoir la protection des différents milieux naturels sensibles. Donc, c'est beau de dire qu'on veut protéger, mais qu'est-ce qu'on veut protéger? Donc, à travers des caractérisations, des identifications, puis se donner des outils aussi là, pour pouvoir le faire, puis bien les protéger. D'accompagner les producteurs forestiers afin d'assurer le respect de l'exploitation de la ressource, comme je disais tantôt, à travers des plateformes de discussion, on peut faire part là, des visées de la municipalité, là, puis d'essayer d'influencer là, pour s'assurer que ça se fasse le mieux possible. Et de mettre en place des activités de sensibilisation des enjeux environnementaux. Donc, au niveau de la population, là, c'est toujours important là, de rafraîchir la mémoire de tout le monde, puis aussi développer des activités de sensibilisation, mais aussi là, des activités liées au recyclage, réutilisation, etc., là, pour innover à ce niveau-là. Puis ça attire les gens. Là, on le voit de plus en plus que c'est d'un intérêt primordial pour la plupart des gens. Et la dernière thématique, donc ce qui est lié au transport, les enjeux tournent autour de la circulation automobile qui peut être importante sur les routes 125 et 347. Ça peut engendrer des potentiels conflits aux intersections entre les différents usagers sur l'ensemble du territoire. Donc les gens qui sont de passage aussi, qui font de la villégiature, peut-être plus au nord aussi, qui servent la municipalité comme voie de transit, peuvent être en conflit aussi avec les gens qui y résident, qui essaient de circuler normalement. Puis aussi, piétons, cyclistes, etc., qu'on mélange à tout ça. Le réseau de camionnage qui fait en sorte que le territoire de la municipalité est utilisé à des fins de transit. Ça, on a peu de marge de manœuvre là-dessus, mais on peut voir s'il y a des choses qui peuvent être faites pour atténuer le plus possible les nuisances en bordure de ces voies-là. Transports actifs qui sont peu utilisés en raison de la sécurité déficiente des réseaux. Donc, c'est de voir s'il y a des possibilités d'améliorer les équipements ou la sécurité pour les piétons, pour les cyclistes sur le territoire, pour inciter les gens là, pour des déplacements de courte distance ou même pour des promenades à utiliser d'autres moyens que la voiture. Et finalement, il y a le vieillissement de la population aussi qui évidemment va engendrer une perte d'autonomie en matière de transport dans les années à venir. Puis on l'a vu dans d'autres milieux, à partir du moment où les gens commencent à avoir de la difficulté à se déplacer,
Des fois, ils sont obligés de quitter leur milieu pour aller dans d'autres municipalités, là. Ils sont mieux équipés à ce niveau-là. Mieux desservis, je dis. Au niveau de la mobilité et le transport, donc, ce qu'on souhaite, c'est un milieu qui fait la promotion des déplacements responsables, qui assure la sécurité de l'ensemble des citoyens et des utilisateurs des réseaux. Les objectifs, c'est de promouvoir la bonne cohabitation des usagers des différents modes de transport. Est-ce que c'est à travers des infrastructures dédiées? Est-ce que c'est à travers différentes mesures? Donc, ça, c'est à voir dans le temps, qu'est-ce qui serait le plus efficace. D'encourager les déplacements actifs et durables, comme je l'ai mentionné. Possibilité de se déplacer autrement qu'en voiture sur le territoire ou même vers l'extérieur du territoire. Et de créer des parcours sécuritaires pour les différents types de moyens de transport. Là, c'est une question là, d'essayer d'éviter les conflits, essayer d'éviter aussi là, s'il y a des intersections qui sont dangereuses ou des choses comme ça. Fait que ce soit au niveau quatre roues, skido, voiture, camionnage, piéton, cycliste, là, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de ces réseaux-là et ces modes de déplacement-là, s'assurer la meilleure cohabitation possible. Tout ça dans une optique de sécurité. Maintenant, au niveau de la. Ça, c'était pour le résumé du plan d'urbanisme. Comme je vous disais, là, le document il est plus étoffé que ça, là, fait que vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. On a essayé de faire un document qui était très visuel et stimulant, intéressant, pour faciliter sa compréhension et sa lecture. Au niveau maintenant du deuxième grand volet, si on veut, qui est la réglementation d'urbanisme. Comme j'ai mentionné tantôt, bon, il y a le plan d'urbanisme, il y a la réglementation d'urbanisme, puis par principe de concordance, là, mes poupées russes là, que je vous ai présentées, c'est la réglementation découle de la vision du plan d'urbanisme. Il faut s'assurer que la réglementation soit conforme à ce qui est présenté au plan d'urbanisme aussi. Je vous ai présenté une belle vision là, pour les années à venir. Donc, il faut que la réglementation devienne un outil. Ce n'est pas le seul outil, là. Il y a beaucoup d'autres éléments que juste la réglementation d'urbanisme pour pouvoir arriver à ces fins-là. Mais il faut s'assurer que ça fonctionne en adéquation puis que ça devienne un outil positif pour la mise en œuvre de la vision. Dans le cadre du mandat, les règlements qui ont été modifiés et je dirais même remplacés complètement, là, principalement, c'est le règlement de zonage. Ça inclut le plan de zonage puis les grilles de spécification. Puis on va les regarder chacun en détail, là. Donc, si vous êtes moins familier avec ces outils réglementaires-là, c'est tout à fait normal. C'est pas le genre de trucs qu'on lit au jour le jour, là. On va regarder plus en détail. Vous allez avoir des explications à quoi ça sert. Donc, règlement de zonage, règlement de lotissement, règlement de construction, le règlement sur les permis et certificats, le règlement sur les dérogations mineures et finalement le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé le PIA, parce que c'est beaucoup plus simple. On va regarder tout ça en détail. Il y a des modifications globales que je peux vous faire part, puis après ça, on va regarder peut-être par règlement de manière plus spécifique. Mais globalement, ce qu'on a voulu faire, je l'avais mentionné, la réglementation en vigueur datait de 1996. Puis même ça datait de 96, c'était basé sur un vieux modèle en plus. Ça datait de vraiment longtemps. C'était peu fonctionnel en fonction des normes puis des manières de fonctionner d'aujourd'hui, le plus moderne. Puis dans les dernières décennies, il y a beaucoup de charges de travail reliées à l'aménagement qui a été pelletée dans le cours des municipalités. Les MRC avec les schémas d'aménagement sont devenus de plus en plus intense et les municipalités se sont ramassées toujours avec plus de responsabilités. Ce qui fait que de travailler avec un ancien règlement qui ne tenait pas nécessairement compte de l'ensemble de ces tâches-là et de l'ampleur de ces tâches-là rendait, je pense, au jour le jour, ça de manière assez difficile, là. Puis on se ramassait avec des zones grises, puis des termes qui n'étaient pas adressés parce qu'à l'époque que ça avait été que ça avait été rédigé, bon, ça n'existait pas. Donc, je pense que c'est un défi au jour le jour là, de travailler avec votre réglementation. Donc, c'est pour ça là, que ça avait été décidé par le conseil municipal de dire, bon, ben, regardez, on va en profiter, on va se moderniser à ce niveau-là. Donc, il y a une nouvelle mise en page plus épurée, on va dire au goût du jour, qui a été mise en place pour que les documents soient vont se retrouver aussi en ligne là, sur Internet. Vous allez pouvoir les consulter tout le temps.
ben, ça va être plus facile de se retrouver dedans. Une réorganisation dans l'ordre des sujets traités. L'objectif, c'était que ça soit plus instinctif pour le lecteur. Il y a des grands chapitres très clairs de ce qu'on trouve à l'intérieur, des sections, des sous-sections, beaucoup d'éléments visuels aussi là, pour aider à se retrouver. C'est clair quelles sont les normes générales applicables, quelles sont les normes spécifiques applicables à une situation en particulier, ce qui était pas mal pêle-mêle dans notre ancienne réglementation. Ce qui arrive aussi, c'est qu'un vieux règlement, qui en plus était déjà un peu pêle-mêle, est modifié à travers le temps. Il y a des modifications réglementaires, quelques-unes à chaque année. Donc, on vient en rajouter. Puis, dépendamment des gens qui étaient là à l'époque, la modification, et ils ont toutes donné leur petite touche personnelle. Fait que dans le temps, il a évolué, des fois dans un sens, des fois dans l'autre sens, des fois écrit d'une manière, des fois écrit d'une autre manière. Fait qu'on se ramassait en rajoutant encore plus des zones grises. Fait qu'il y a vraiment un gros travail de réorganisation de l'ensemble de ces règlements-là qui a été fait pour faciliter la lecture et la compréhension. En même temps que tant qu'à être là, on ne fait pas juste le mettre beau puis le replacer, là, replacer les trucs aux bonnes places. On a proposé des améliorations en fonction de, ben de un, nous, notre expérience, ce qu'on voit ailleurs au Québec. On travaille un peu partout au Québec. On est au fait des dernières tendances, si on veut, des derniers défis des municipalités. Donc, on peut arriver des fois aussi avec des solutions qu'on a vues ailleurs. Donc, on a fait des propositions pour voir si c'était des choses qui pouvaient être intéressantes pour votre territoire. Donc, ça a été regardé avec Martine, entre autres, là, à la ville, puis ça a été regardé avec le conseil municipal. Sur certains trucs, bon, le conseil jugeait, hop, on va un peu trop loin, tu sais, c'est peut-être un peu trop intense pour nos besoins, nous, fait qu'on recule un peu. D'autres éléments, on dit, ah, ça, c'est vraiment bien, on n'y avait pas pensé, mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant sur notre territoire. Et on en a profité aussi pour traiter, on appelle ça les irritants. Quand je dis avec le temps, là, plein de petites bébites là, qui s'accumulent, des choses qui ne fonctionnent pas, que c'est jamais facile, on a une définition qui n'est pas tout à fait claire, puis fait qu'on en a profité là, vraiment là, pour tous ces petits éléments-là qui rendaient l'application au jour le jour difficile pour venir faire le ménage là-dedans, là, puis en régler le plus possible. Et au final, je le dis en dernier, puis ironiquement, c'est la raison initiale pourquoi on a fait cette refonte-là, c'était l'intégration des normes obligatoires de la MRC. Du schéma d'aménagement, donc la concordance qu'on était obligé de faire, là, donc c'est intégré aussi à même le règlement. Fait que, tout ça, là, mis ensemble, là, donne le résultat là, que vous avez sous les yeux, vous avez peut-être eu la chance même de consulter avant ou vous allez peut-être consulter après. Rapidement, bon, quand on parlait de mise en page au bout du jour et plus instinctive, là, on a remplacé beaucoup là, du texte style dactylographié, là, pas toujours facile à comprendre, avec un jargon pas tout à fait clair, remplacé beaucoup par des croquis avec des tableaux. Donc, c'est facile à comprendre, une image vaut mille mots. Là, ben, c'est le fun. Là, on a des croquis avec des pastilles qui viennent identifier différents éléments sur les terrains. On a la norme qui s'applique directement. Donc, c'est facile à comprendre. Des gens pourraient aller consulter en ligne puis avoir leur réponse. Ou même au niveau de l'équipe municipale pour mieux faire l'explication. C'est toujours plus facile à comprendre quand on peut se rattacher à un croquis, à un dessin. Donc, beaucoup là, des tableaux, alléger le texte, simplifier la compréhension pour aider. Et une mise en page là, un peu plus soignée là, pour que ce soit plus facile à consulter en ligne. On parlait de réorganiser l'information, donc mettre les éléments aux bonnes places dans le texte du règlement, mais aussi, juste par exemple, vous aviez anciennement deux grilles applicables pour chacune des zones. Donc, chaque zone, il fallait savoir qu'il fallait aller voir une grille qui venait traiter des usages qui étaient autorisés et une autre grille qui était quelque part d'autre un peu plus loin. Pour traiter des normes applicables au terrain, superficie terrain, là, largeur, profondeur, etc. Donc, on est venu consolider tout ça à la même place. Donc, facilement, quand on regarde sur le plan, puis on se retrouve à l'intérieur d'une zone. Dans ce cas-là, on a l'exemple de la zone U31. Donc, je suis à l'intérieur de la zone U31, j'ai la liste des usages qui sont autorisés à travers les points, j'ai les normes applicables, les dimensions de terrain, des notes spécifiques s'il y en a. Donc, c'est facile de consulter l'information, puis c'est aussi facile de transmettre l'information à des requérants. D'un premier coup d'œil, là, on voit l'ensemble, puis on n'a pas besoin
d'avoir peur nécessairement. Ah, j'ai-tu oublié quelque chose? Y a-t-il quelque chose de plus loin qui finalement viendrait annuler ce que finalement j'ai vu comme norme au début? Donc, il y a un gros travail de réorganisation à ce niveau-là qui était fait. Au niveau du plan de zonage aussi, là, bon, une certaine époque, c'était de la cartographie qui était faite avec les moyens du bord. On a modernisé ça un peu pour simplifier la lecture. Les plans, bon, avec la couleur, on peut comprendre plus rapidement c'est quoi les dominances associées à chacune des zones. Donc, est-ce que c'est une zone de conservation? Est-ce que c'est une zone récréative? Une zone récréophonique, désolé, rurale, urbaine, villégiature de consolidation, villégiature de développement. Déjà avec les couleurs, on voit au premier coup d'œil, puis après ça, on peut se retrouver sur notre territoire. Puis les plans sont montés pour être faciles à parcourir en ligne. Donc, on est capable de zoomer vraiment proche, là, sans perdre la qualité. Donc, ça devient un outil là, de travail, là, puis un outil de consultation qui est vraiment intéressant là, pour tout le monde. De manière plus précise, si on veut, parce que ça, c'était, si on veut, là, les grandes améliorations qui s'appliquaient à l'ensemble des règlements. De manière plus précise, on va regarder rapidement, parce que comme je vous disais d'entrée de jeu, on va regarder vraiment les faits saillants des modifications réglementaires parce qu'on pourrait passer à travers tout le règlement, puis on en aurait pour la nuit. Donc, je vous parle des faits saillants, puis après ça, si vous avez des questions sur des points particuliers, on pourra rentrer plus en détail. Il ne faut pas se gêner. Le règlement de zonage, c'est le règlement qui sert le plus au jour le jour. C'est celui qui vient régir l'aménagement des terres privées. Dans ce règlement-là, des éléments qui ont été modifiés. Entre autres, il y a la localisation des usages sur le territoire. J'ai mentionné tantôt le schéma d'aménagement des grandes affectations qui venait de manière régionale déterminer quels usages on pouvait retrouver dans les municipalités. Au niveau du plan d'urbanisme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les affectations du schéma d'aménagement puis on les a transposées à l'échelle locale. Puis c'est au zonage qu'on est venu découper le territoire de manière plus précise pour venir déterminer dans chaque zone qu'est-ce qui pourrait y être autorisé. Les objectifs généraux derrière ce découpage-là, c'était, bon, on regarde toujours ce qu'il y a sur le territoire actuellement, ce qui est prévu dans le zonage actuellement en vigueur, dans l'ancien règlement, si on peut l'appeler comme ça. On regarde aussi ce qui est encore permis dans le schéma d'aménagement, parce qu'il y a des fois que la planification régionale est venue enlever certains usages sur le territoire. D'autres fois sont peut-être être plus permissifs par rapport à ce qu'il y a présentement. Donc, on est venu s'ajuster par rapport à ça. Et l'objectif général derrière toute réflexion liée aux usages sur votre territoire, ça a été de se dire le conseil municipal voulait permettre les projets. On voulait permettre à la municipalité d'évoluer, de se développer. On veut attirer de l'activité commerciale dans le noyau villageois, dans le périmètre d'urbanisation. Donc, on ne voulait pas se mettre de frein par rapport à ça. S'assurer qu'il y ait toujours un bon encadrement, par contre, réglementaire, pour pas que ça se fasse n'importe comment. Donc, de manière générale, c'était de permettre les projets tout en protégeant les bords de lac, les milieux naturels et d'assurer la quiétude sur le territoire. Donc, c'est en respect de ces valeurs-là que tout était réfléchi dans la réflexion au niveau du découpage du territoire et des usages qui peuvent y être autorisés. On a revu aussi bon, les normes au niveau de l'implantation des bâtiments et des constructions. Donc, on est venu moderniser ça en fonction là, de ce qui se fait aujourd'hui, des bonnes pratiques. Au niveau de l'architecture des bâtiments, l'encadrement des gabarits des bâtiments, les matériaux autorisés, on est venu moderniser ça aussi parce que ça a évolué là, déjà depuis les années que votre règlement avait été écrit, fait qu'on est venu tout clarifier ça. Et aussi beaucoup de normes reliées à la protection des milieux naturels. Puis il y a beaucoup de ces normes-là, bon, que ce soit par rapport aux milieux humides, que ce soit au bord de cours d'eau, de lacs, zones de mouvement de terrain, puis ces choses-là. Ça, des éléments qui sont tirés directement du schéma d'aménagement qu'on est obligé d'inclure dans la réglementation municipale, même que c'est des éléments que les schémas d'aménagement, les MRC sont obligés d'inclure dans les schémas parce que c'est des réglementations provinciales donc qui s'appliquent de toute façon. Donc, on les a traduits puis on les inscrit dans votre réglementation. La question de protection de l'abattage d'arbres, la gestion de l'abattage d'arbres, etc.
Donc, c'est des choses qui nous sont dictées par le schéma d'aménagement, puis on n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix d'inclure là, à l'intérieur de la réglementation. Puis, ça cadre aussi avec la vision du plan d'urbanisme par rapport à la protection des milieux naturels des paysages. Au niveau du règlement de zonage, bon, il est composé de trois principales parties. Il y a le texte réglementaire que je viens de vous faire part là, des faits saillants, des modifications là, qui étaient faites là-dessus. Au niveau du plan de zonage, je l'ai expliqué rapidement. Donc, le plan de zonage il est conforme au plan d'affectation du plan d'urbanisme qui lui est conforme aux affectations du schéma d'aménagement. Donc, le découpage du territoire se fait dans le cadre établi par le schéma d'aménagement. Le territoire est divisé en zones distinctes. Pour qu'on puisse adapter des dispositions réglementaires en fonction des caractéristiques particulières de chaque zone. Ce qui veut dire, c'est que vous résidez chacun dans une zone et à cette zone-là, il y a des normes qui sont attribuées. Et chacune des zones possède un identifiant unique lié à une grille des spécifications. Donc, tantôt, je pense qu'on avait la zone U31. Donc, si vous demeurez ou vous avez un terrain dans la zone U31, bien, vous allez pouvoir voir la grille. Des spécifications, quelles sont les normes qui sont applicables, puis s'il y a des normes spécifiques applicables dans le réglementaire, dans le règlement là, spécifique à votre zone, ça va être spécifié aussi. Et finalement, bon, la grille des spécifications, ben, je reviens encore un peu là, sur les mêmes éléments. Ça indique les usages qui sont autorisés dans chacune des zones et les normes qui sont spécifiquement applicables aux usages qui sont autorisés. Donc, est-ce que ça peut être des bâtiments isolés et jumelés? En termes d'implantation des bâtiments principaux, c'est quoi les marges de recul? Donc, ça se retrouve à même la grille. Le règlement de lotissement, c'est le règlement qui régit les opérations cadastrales des terrains, donc les subdivisions de terrain, des choses comme ça. On vient à l'intérieur de tout ça gérer l'emprise des voies de circulation. Donc, il y a des normes associées à ça qui sont exigés dans le schéma d'aménagement, donc que ce soit au niveau de la largeur de certaines voies de circulation ou de leur localisation aussi, donc la distance par rapport à un cours d'eau, la distance par rapport à un lac. Donc, c'est inclus à même ce règlement-là. Le découpage des lots, donc la méthodologie, comment on s'y prend pour venir découper des lots sur le territoire, il y a une logique à suivre pour ça et il y a des exigences à respecter. Et la dimension des terrains aussi. Donc, ça aussi, c'est dicté par les schémas d'aménagement, mais c'est même dicté par les ministères. Donc, d'avoir des terrains d'une superficie minimale X, des terrains d'une largeur ou d'une profondeur minimale X, dépendamment dans quelle situation on se trouve. Le but étant toujours d'avoir assez de place sur le terrain pour, par exemple, dans votre cas, mettre les installations septiques, d'avoir un puits et aussi le remplacement, là, à moyen long terme de ces choses-là. Donc, d'avoir un assez grand terrain et aussi en ayant des plus grands terrains, bon, ça assure généralement une protection du paysage et ça limite l'intensité de la densification du territoire. Donc, ça, c'est tout prêt en considération à l'intérieur du règlement de lotissement. Le règlement de construction, maintenant, c'est le règlement qui régit, si on veut, les standards de qualité des bâtiments sur le territoire. On y retrouve des normes en lien avec l'architecture des bâtiments. Donc, il peut y avoir des normes spécifiques sur les murs, comment bien faire ou habiller certains murs, les fondations autorisées, puis dans quel cas ils sont autorisés, les toitures, des normes reliées à ça, mais aussi toute la fortification et la sécurité des bâtiments. Bon, autant en lien avec détecteurs de fumée, bon, sont des bâtiments trop proches de la rue, puis il y a des possibilités de neige glace là, qui tombe du toit. Donc, il y a des normes reliées à ça. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de fortification de bâtiments, vite par balle, grillage, etc. Ça, c'était historiquement, c'est des normes qui proviennent de la sécurité civile, de la sécurité publique pour empêcher les bunkers. L'entretien et le bon état des bâtiments, donc ce serait un bon entretien régulier des bâtiments qui ne deviennent pas dangereux, des normes au niveau des raccordements, des clapets anti-retour, etc. Et finalement, quand on se ramasse dans des situations où il peut y avoir des constructions qui deviennent dangereuses ou qu'il y a des travaux de démolition qui sont en cours nécessaires pour s'assurer la sécurité de tout le monde autour. Bon, l'obligation de sécuriser les yeux, pardon, sécuriser les lieux
avec des clôtures, s'il y a un bâtiment qui est détruit, à moitié détruit, suite à un sinistre, donc comment est-ce qu'on traite ça? Fait que c'est pour venir encadrer ces situations-là pour assurer que ça perdure, s'assurer que ça ne perdure pas dans le temps et que ça ne devienne pas un enjeu au niveau de la sécurité de la population. Le règlement sur les permis et certificats, c'est le règlement administratif de la municipalité. C'est dans ce règlement-là qu'on va venir gérer les différentes demandes qui sont liées au projet visé par les règlements d'urbanisme. Toute demande de permis, certificat, etc. Puis aussi le fonctionnement fin là, de la réglementation est incluse c'est inclus dans ce règlement-là. On y retrouve, entre autres, on est venu clarifier puis consolider les pouvoirs du fonctionnaire désigné. Donc, les gens qui appliquent la réglementation, quels sont leurs pouvoirs, quels sont les devoirs aussi des requérants, des citoyens. Les modalités administratives, donc, quels sont les prix des différents permis et certificats, pour quels travaux est-ce qu'on a besoin d'un permis et certificat, permis ou certificat, etc. Aussi, le contenu applicable pour déposer une demande, donc, nouvelle construction, qu'est-ce qu'il faut que je fournisse comme plan, comme élément avec ma demande pour qu'elle soit complète, pour qu'elle puisse être validée par la municipalité. Et ultimement, les sanctions et contraventions. Donc, si je vais à l'encontre de différentes dispositions de la réglementation, donc qu'est-ce qui se passe et comment ça va être traité. Le règlement sur les dérogations mineures, peut-être que vous le connaissez, c'est un règlement discrétionnaire qui permet des procédures d'exception aux normes réglementaires. Donc, les règlements de zonage et de lotissement sont des règlements qui sont très stricts. C'est normatif, c'est noir ou blanc. Puis, on est conscient que dans certaines situations, on ne peut peut-être pas respecter les normes à la règle, les normes à la lettre. Donc, c'est pour créer un petit assouplissement en fonction de situations particulières. Et ça s'applique à des normes du règlement de zonage et de lotissement, sauf exception. Ça ne peut pas être relié à la densité, ça ne peut pas être relié aux usages autorisés, aux activités qui sont autorisées sur un terrain. Et ça ne peut pas être associé à, par exemple, dans une zone de contrainte, là, ça serait une zone inondable, etc., pour venir permettre des projets qui seraient autrement pas permis pour des raisons reliées à la sécurité. Le meilleur exemple, là, par rapport à ça, souvent, bon, on va avoir un terrain, il peut y avoir un cap de roche. Les normes nous permettent pas de nous implanter complètement à côté parce que la marge, on serait trop proche, on empiéterait dans la marge. Donc, une demande peut être déposée pour une dérogation mineure qui permet de venir dire, ah ben, est-ce que ça serait tolérable que je tasse un petit peu mon bâtiment, je ne respecte pas la norme, mais parce que je ne peux pas faire autrement. Puis ben ça passe à travers le CCU, ça passe à travers le conseil municipal et aussi c'est présenté à la population. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'opposer ou se faire entendre par rapport à ça, ils peuvent toujours le faire. C'est une démarche qui peut être assez intéressante pour prendre en compte des particularités de certains projets dans le temps. On retrouve dans ce règlement-là, bon, à quoi on peut donner des dérogations mineures, là, je l'ai expliqué rapidement. Le contenu applicable à une demande, donc quand il y a une demande, qu'est-ce qu'on doit retrouver comme information à l'intérieur de ça, et aussi le traitement d'une demande, donc c'est quoi les étapes, c'est quoi le cheminement d'une demande, c'est bien particulier, fait que c'est inclus à même ce règlement-là. Et le dernier règlement qui a été retouché, c'est le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Celui-là n'a pas été complètement remplacé. C'est le règlement R201 qui a été adopté il y a quelques années à la municipalité. J'ai dans la tête, il me semble, il y a 3 ans. Donc, c'est un règlement qui était quand même assez récent, assez nouveau. Donc, on ne jugeait pas le besoin de repartir à zéro. Il y avait déjà une belle mise en page intéressante, instinctive, puis c'était facilement fait aussi pour venir l'ajuster. Donc, c'est le règlement qui vient régir à travers des objectifs, des critères, la qualité d'un projet ou de travaux. Donc, dans certains cas, on va venir cibler certains projets, certains travaux. On va dire, bon, mais dans ces cas-là, en plus du normatif, on veut venir rajouter aussi des objectifs à atteindre, des critères pour s'assurer de la qualité de ces projets-là. Quand le règlement R201 avait été adopté, c'était pour contrôler, si on veut, les développements à flanc de montagne, donc dans les pentes de 20% et plus.
Donc, on venait encadrer tout ce qui touchait le déboisement, le lotissement, les nouvelles constructions, puis ces choses-là, pour éviter qu'un flanc de montagne d'un bord en bord soit rasé pour après ça voir où on pourrait placer les maisons, où ce serait le plus beau. T'sais. Puis là, le mal serait déjà fait. Donc, ça venait permettre de venir valider la qualité des projets en amont. Donc, les modifications qui ont été appliquées à ce règlement-là, nous, on gérait, vous, nous, on gérait déjà, tout, comme je disais, le développement à l'intérieur des pentes de 20% et plus. On dirait que la MRC s'en est inspirée parce qu'ils sont venus dans le schéma d'aménagement obliger à toutes les municipalités de venir gérer les secteurs de forte pente, donc 30% et plus. Donc, il est un petit peu moins sévère que nous avec notre 20%. Mais on est venu juste s'assurer de la concordance pour que tout fonctionne parce qu'il y avait des exigences, des objectifs, des critères qui étaient un petit peu différents. Donc, on est venu intégrer ça à l'intérieur de la réglementation déjà existante, faire une mise à jour par rapport à ça. Il y a des ajouts aussi qui ont été faits. Donc, maintenant, le règlement sur les PIA ne va plus juste traiter de tout ça, mais va traiter aussi de d'autres thématiques. Entre autres, il y a l'ajout d'objectifs et de critères pour encadrer les constructions et les agrandissements dans le noyau villageois, qui est la zone U39, donc qui est vraiment la zone là, localisée là, à l'intersection principale là, de la municipalité, si on veut, là, le terrain municipal, l'église, l'école, etc. Donc, dans ce coin-là, de venir avoir des critères pour encadrer, bon, si, pour avoir des nouvelles constructions, des agrandissements, que ça se fasse bien pour bien cadrer avec le cadre du milieu. Ça, c'était une exigence au niveau du schéma d'aménagement. Puis, il y avait une volonté aussi par rapport à ça au niveau du conseil municipal et de la population qu'on a ressenti là, à travers nos exercices de consultation. L'ajout d'objectifs et critères pour encadrer les enseignes commerciales en bordure du réseau routier supérieur. Donc, ça, c'est une exigence du schéma d'aménagement. Donc, réseau routier supérieur, c'est les routes numérotées, là. C'est maintenant de venir dans une optique de protection, là, de valorisation du paysage, d'éviter qu'il y ait des enseignes commerciales trop grosses, n'importe comment. Donc, il y a des balises par rapport à ça qui ont été intégrées. Donc, tout nouveau projet de remplacement ou de construction ou installation d'une nouvelle enseigne commerciale vont passer à travers ce processus-là pour en assurer la qualité en fonction de critères. Le dernier élément, c'est aussi l'obligation du schéma. C'est d'ajouter des objectifs, des critères pour encadrer les projets intégrés résidentiels dans les zones à dominance, villégiature de consolidation et villégiature de développement. Bon, c'est toute une bouchée, celle-là, là. Mais c'est que dans des secteurs qui ont été identifiés par le schéma d'aménagement comme étant des secteurs de villégiature de consolidation, donc des endroits où il y aurait peu ou pas de développement, on va juste consolider sur l'existant. Puis des secteurs de villégiature de développement où là, il va y avoir possibilité d'avoir ouverture de nouvelles rues, etc. L'exigence était que s'il y a des projets intégrés résidentiels, le projet intégré résidentiel, c'est un projet pour lequel il y aurait plusieurs bâtiments sur le même terrain. Donc, il y a des normes à respecter par rapport à ça, donc les superficies de terrain, ces choses-là qui sont toujours applicables, etc. Mais les projets intégrés peuvent donner une flexibilité au niveau de l'implantation, la localisation des bâtiments sur ce terrain-là. Donc, on vient à travers le PIA s'assurer que ça se fasse bien sur le territoire, si jamais il y a des demandes dans ce sens-là. Les procédures d'adoption. Qui sont présentement en cours. Je vous fais part où on en est. Ça faisait le tour là, rapidement là, de la réglementation de ce que je voulais vous faire part. L'avis de motion, bon, qui est une des premières étapes, a été donné aujourd'hui. Donc, il y a un effet de gel qui commence à partir d'aujourd'hui. Ce qui veut dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y a les deux règlements qui s'appliquent en simultané. Donc, l'ancien règlement et le nouveau qui est en cours d'adoption. Ce qui veut dire, c'est pour Martine, entre autres, qui fait l'application, si vous arrivez à la municipalité puis vous déposez un projet, elle va devoir l'analyser en fonction des deux règlements et d'appliquer la norme la plus sévère tant que le processus ne sera pas complété. Donc, c'est une question de sécurité. Là, on va appliquer la plus sévère comme ça si jamais bon, il y a des trucs sur lesquels ça recule après. Là, au moins, on n'a pas été plus permissif pendant le processus d'adoption. Donc ça, c'est l'avis de motion qui a été donné. Si on recule un petit peu en arrière, bon, l'adoption des projets de règlement,
C'est fait le 9 avril 2021. Puis ça, c'est toujours dans une optique, là, tu sais, ces procédures d'adoption-là, là, je fais un petit pas de côté, un petit pas en arrière, là. Comme je mentionnais, c'était dans l'optique d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Vous aviez un délai de 2 ans pour le faire. On est tiré à 3 ans, là, en demandant une extension au ministère. On l'a eu. Donc, là, on est rendu là. Le travail, il est accompli. Donc, il faut aller de l'avant avant que l'extension, se termine. Donc, c'est pour ça que les procédures ont été démarrées à ce moment-ci. Donc, l'adoption des projets de règlement s'est faite le 9 avril. Suite à ça, il y a une transmission des projets de règlement qui sont faits à la MRC, puis eux commencent déjà leur analyse. Les municipalités contiguës aussi vont regarder le plan d'urbanisme. Les centres de services scolaires vont regarder c'est quoi les prévisions pour la municipalité pour venir ajuster leur planification à court, moyen, long terme en vertu des projets là, qui peuvent être déposés à travers notre réglementation, puis le plan d'urbanisme, puis les visées aussi du plan d'urbanisme. Donc, on tient tout ce beau monde-là au courant de ce qui se passe. Et vous aussi en même temps. À travers un avis public d'assemblée de consultation. Comme j'ai mentionné tantôt, en raison de la pandémie, le décret gouvernemental empêche de se regrouper et de faire une consultation, bon, en personne, exige d'avoir une consultation d'une période de 15 jours à l'écrit, ce qui a été fait. Les documents avaient été mis en ligne, donc ils étaient disponibles pour tout le monde. Puis il y a des commentaires, des bonnes questions aussi qui ont été envoyées à la municipalité. Puis le conseil a déjà commencé à réfléchir à tout ça. Et ultimement, bien, en plus de ça, le conseil jugeait intéressant et important de faire la séance d'information de ce soir pour avoir cette opportunité-là d'échanger ensemble par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez relevé, peut-être des questionnements que vous pourriez avoir. Suite à ça, bon, il y a une période d'ajustement en fonction des commentaires qui vont être reçus, qui ont déjà été reçus, des questions qui vont être reçues, qui ont déjà été reçues. L'objectif, c'est d'adopter les règlements le 14 mai 2021. Ça n'arrête pas là. Après ça, il y a plusieurs étapes. Suite à ça, c'est envoyé à la MRC pour la validation. On disait tantôt que la concordance est importante, donc la MRC. En fonction de la loi, 120 jours pour analyser le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme pour venir dire si tout est beau par rapport au schéma d'aménagement. Et en même temps, en parallèle, il y a un avis public qui va être publié puis affiché pour si jamais il y a des gens qui voudraient faire une demande à la Commission municipale du Québec, la CMQ. La CMQ, eux, ce qu'il y a, c'est si des gens jugent que le plan d'urbanisme, la réglementation d'urbanisme, ben, mettons, se contredisent, vont pas dans le même sens, ben, ils peuvent faire une demande dans ce sens-là, puis la CMQ, va faire une évaluation, par rapport à ça. Donc, la MRC s'assure que le plan d'urbanisme et les règlements, fonctionnent avec le schéma d'aménagement, donc sont conformes au schéma d'aménagement. CMQ, s'assurerait, au besoin, que, le plan d'urbanisme et les règlements sont conformes entre eux. Quand ces deux étapes-là vont être complétées, après ça, il va y avoir encore une fois un avis public pour la tenue d'un registre. Ce qui veut dire, c'est qu'il va y avoir un registre qui va être ouvert pendant 7 ou 8 jours, 7 jours, je crois. Puis vous allez pouvoir, bon, la population va être appelée à se prononcer. Peut-être dans le passé, vous en avez déjà vu des modifications réglementaires qui étaient susceptibles d'approbation référendaire. Ça veut dire que les gens de la zone visée, là où il y avait une modification, ou des zones voisines pouvaient venir faire une demande là, pour l'ouverture d'un registre, etc. Peut-être vous avez vu ça passer dans le cadre de d'autres modifications. Dans ce cas-ci, vu que c'est un remplacement global de la réglementation, c'est l'ensemble de la population, de la municipalité, qui est appelée à se prononcer là-dessus. C'est pas sur chacune des dispositions individuellement, c'est sur l'ensemble du document, par exemple le règlement de zonage. Donc, c'est l'ensemble du règlement de zonage qui est évalué d'un coup. Donc, si les gens jugent que il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puis qu'ils ne se présentent pas pour signer le registre, ben, c'est comme s'ils venaient entériner le fait là, que les règlements sont conformes à leurs attentes, puis qu'ils veulent qu'on aille de l'avant avec l'entrée en vigueur finale par rapport à ça.
Bon, si nécessaire, il y a ouverture d'un scrutin référendaire, s'il y a assez de gens qui se présentent pour demander l'ouverture d'un référendum lors du registre, bien, après ça, il pourrait y avoir référendum sur la réglementation d'urbanisme. Le plan d'urbanisme et la réglementation d'urbanisme, pardon. Après ça, bon, ça retourne à MRC et c'est le moment de l'entrée en vigueur. Il va y avoir des avis d'entrée publique en vigueur, des avis publics d'entrée en vigueur à ce moment-là. Puis je vous dirais, bon, cette entrée en vigueur-là, parce que les différentes étapes précédemment peuvent prendre un certain temps. Au niveau de la MRC, ils ont 120 jours, mais ils peuvent prendre un peu moins de temps, ils peuvent en prendre plus. Au moins, on sait ça. Donc, ce qui est envisagé, c'est une entrée en vigueur. Si tout se passe bien vers la fin de l'été. Donc, ça serait le moment là, où tout là, deviendrait en vigueur et qu'on mettrait complètement de côté l'ancienne réglementation, puis on passerait à la nouvelle. Il y a aussi en parallèle, là, je voulais le mentionner, mais j'ai fait une petite bulle. Vous avez un règlement sur l'usage conditionnel sur le territoire qui s'applique aux résidences de tourisme. Le règlement sur l'usage conditionnel ne peut pas être revu ou ajusté en même temps que tout le reste. Ça devra se faire par la suite. Fait qu'il y aura peut-être un deuxième exercice par la suite où vous serez convié encore une fois à une démarche particulière juste pour ça. Fait que venir faire des ajustements là, au niveau des critères applicables pour venir encadrer les résidences de tourisme, puis de voir avec vous là, si tout est bon en termes de les zones où c'est autorisé, puis de venir raffiner ça. Ça va se faire dans un deuxième temps, puis vous allez être sollicité à ce moment-là. Le dernier élément que je vais voir avec vous avant qu'on passe aux commentaires puis aux questions, c'est les ajustements liés à la consultation écrite. Donc, la consultation écrite, c'est quand même intéressant parce que on a 15 jours pour prendre connaissance des documents, puis pour se faire une tête, puis émettre des commentaires quand on a le temps. La consultation en personne, plus classique, c'est un soir. Si on n'est pas disponible, on n'est pas là, on la manque. Mais le côté qui est moins intéressant par rapport à la consultation écrite, c'est qu'on perd ce qu'on va avoir dans le fond finalement ce soir, la possibilité d'entendre les questions des autres puis des commentaires des autres, puis de venir échanger. Fait qu'on jugeait que c'est important de vous faire part des éléments principaux qui ont été soulevés là, à travers cette consultation écrite-là. On vous fait pas part, par exemple, là, de monsieur ou une madame qui veut savoir sur son terrain s'il peut encore faire telle affaire, là, parce que c'est vraiment personnel à eux. Mais les questions d'ordre plus général, on vous les soulève, on vous les présente. Puis, en plus, ça l'a déjà amené à des propositions d'ajustement à la réglementation qui va venir. Donc, déjà, par rapport à ces sujets-là, la réglementation proposée va être ajustée. À moins que vous y opposiez très fortement ce soir. Il y a deux règlements qui sont principalement affectés là, par les commentaires et questions. Au niveau du règlement de zonage, premier élément, il y avait une demande d'ajouter une longueur maximale pour un quai. L'objectif, c'était d'éviter d'avoir des quais trop longs qui empiétaient bien loin dans les lacs. Et la demande était d'avoir une longueur de 12 mètres. Donc, ça a été approuvé par le conseil d'aller dans ce sens-là. Ce qui est envisagé, dans le fond, c'est comme ça peut paraître restrictif, mais il y a l'outil de la dérogation mineure que je vous ai parlé tantôt, qui peut servir dans des cas où 12 mètres ne nous permet pas d'aller chercher assez de profondeur, assez de tirant d'eau, etc. Il pourrait y avoir une demande de dérogation mineure pour ajuster en conséquence en vertu, mettons, d'une situation particulière où on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est dans cette optique-là que ça a été envisagé. Tantôt, j'avais parlé de projets intégrés résidentiels, donc d'avoir sur un terrain plusieurs bâtiments résidentiels principaux. Donc, ça n'avait pas été envisagé initialement, mais il y a une demande qui est faite pour permettre des projets intégrés commerciaux. Donc, encore une fois, c'est d'avoir plusieurs bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain. L'exemple principal, c'est d'avoir, par exemple, un locataire avec plusieurs chalets sur le même terrain. Donc, d'avoir un complexe de chalets en location, dans ce cadre-là, c'est une activité commerciale parce que c'est principalement destiné à la location. Donc, ça ne vient pas venir les permettre
partout. C'est vraiment là où l'activité dans ce sens-là est autorisée. Puis il y a des normes aussi à respecter. Mais donc, ça avait été décidé de dire, ben, effectivement, ça pourrait être intéressant d'envisager ce type de projet-là. Pas nécessairement uniquement résidentiel, mais aussi commercial. Il y avait aussi une demande de venir remettre, si on veut, ou repermettre les activités forestières dans l'ancienne zone VD32. Ça, Martine, peut-être après, tu peux prendre la parole, peut-être juste pour nous spécifier c'est où exactement, là, parce que là, j'ai juste l'ancienne zone, j'ai pas la nouvelle. Actuellement, il y a une autorisation pour venir faire de l'aménagement parce qu'il y a quelques boisés privés dans ces zones-là. Donc, il y a une demande dans ce sens-là. Donc, ça serait de l'ajuster pour maintenir cette autorisation-là, pour que ces gens-là perdent pas cette autorisation-là là, à travers le changement de réglementation. Martine, peux-tu juste nous spécifier, s'il te plaît, c'est où? Oui, donc maintenant, le numéro de zone, maintenant, là, avec la carte ouvre, c'est VD31 plutôt que VD32. Alors, c'est une zone qui est située, dans le fond, sur la route 125, juste un petit peu au sud du village, là, du noyau villageois, à la sortie sud du village, ben, un peu comme Jean-François expliquait. On avait déjà dans ce secteur-là la présence de boisés privés et pour lesquels on avait retiré dans la réflexion, on avait retiré les usages d'opérations forestières, mais étant donné qu'il y a déjà beaucoup de boisés privés dans ce secteur-là, ben on a eu des demandes pour permettre les opérations forestières suivant les normes de la municipalité, évidemment, là. Donc, c'était vraiment là, une demande qui avait été adressée au conseil municipal dans ce sens-là. Super, merci Martine pour la précision. Le deuxième règlement aussi qui est touché à travers ces demandes de notification-là, le règlement sur les permis et certificats, là, que je disais tantôt, qui est le règlement administratif de la municipalité. Anciennement, on avait un peu mis permis d'abattage d'arbres, donc un arbre du sol et coupe de bois sous la même appellation. Ça faisait pas tout à fait du sens. Donc là, on va venir distinguer l'abattage d'arbres et la coupe de bois dans des permis distincts. L'abattage d'arbres, le permis sera donc gratuit. Puis pour la coupe de bois, de boisé, là, on est plus à une échelle de 250 $ pour le permis. Et il y avait aussi le permis pour l'installation d'une antenne ou d'une thermopompe qui devient gratuit. On avait fixé un prix, puis ça avait été jugé non nécessaire par le conseil. Donc, on est venu ajuster à ce niveau-là. Ça fait le tour des modifications, dans le fond, qui se sont passées, si on veut, entre l'adoption du projet de règlement et aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'était vraiment que vous soyez au courant de ce qui s'est discuté à l'écrit. Maintenant, on va passer à la portion orale où on va vous entendre. Questions, commentaires, c'est le moment. Avant de commencer, Jean-François, avant de ouais, commencer, c'est ça, j'allais te tu pourrais-tu dire. Expliquer les zones, les couleurs des zones, tu sais, la zone urbaine en rouge, revenez sur ce tableau-là. Pour que les gens comprennent, des fois, ça va peut-être enlever des questions. Ouais, OK, ben, je vais remonter à peu près ici, là. Oui, c'est ça. Rapidement, bon, ici sur la portion de gauche, là, le grand presque carré, c'est le territoire de la municipalité. Territoire de la municipalité. Le noyau villageois, là, qui est le périmètre d'urbanisation, là, c'est la petite portion ici, là, qu'on a dans le zoom, là, qui est en rouge. Tout ce qui est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation se veut des zones à dominance urbaine. Donc, c'est les zones où on va venir retrouver, dans certains cas, de l'activité résidentielle, dans certains cas, de l'activité commerciale, dans certains cas, les deux, et aussi les activités reliées, bon, aux institutions publiques, là, églises, écoles, bibliothèques, hôtels de ville, salles communautaires, etc. Donc, c'est l'usage qui sont concentrés puis qu'on veut consolider à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Autour de ça se trouve, bon, sur le territoire,
les portions bon, récréatives extensives. Là, en rose ici, là, c'est la forêt Waro, qui est identifiée par sa propre affectation. On a des affectations ici là, en vert un petit peu plus pâle, là, que vous voyez un petit peu partout, qui est l'affectation villégiature consolidation. Donc, c'est des endroits où la construction va être permise. Pardon, excusez, je me mélange. Le vert pâle, c'est la villégiature développement. Donc, c'est des endroits où il pourrait y avoir ouverture de nouvelles rues, nouvelles constructions de résidences, etc. Puis autour des lacs, c'est la villégiature de consolidation, donc en vert plus foncé. Ça, c'est les portions où il ne pourrait pas y avoir ouverture de nouvelles rues. On peut juste venir combler les espaces vacants résiduels là, en bordure des rues qui sont existants. Donc, on vient contrôler, si on veut, l'étalement et le développement autour de ces milieux sensibles-là. Et en affectation, là, qui je ne sais pas comment ça sort pour vous, là, un genre de petit beige, c'est l'affectation récréo-forestière. Donc, on vient permettre les activités liées à l'exploitation de la forêt, là, c'est principalement des terres publiques et des activités récréatives. Et il y a la portion aussi rurale, là, ici, là, où il y a certaines activités là, qui sont autorisées là, en lien avec la ruralité, pas vraiment du développement, là, mais de la consolidation plus que d'autres choses. Fait que ça fait pas mal le tour. Puis, pardon, il y a aussi certaines zones là, de conservation là, qui sont identifiées sur le territoire. Fait que c'est pas mal ça. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Maintenant, on va aller aux questions. S'il s'agit d'une question de modification du règlement, juste à la poser, Martine va la prendre en note. Et puis, si on peut changer, modifier le règlement, s'ajuster, bien, le conseil va se pencher là-dessus, comme on s'est penché pour les permis, pour le thermopompe ou antenne ou l'abattage d'arbres. Fait que je vais me mettre en écran pour voir. Fait que je vais commencer avec les questions, puis à tour de rôle, je vais y aller avec mon écran. Fait que il y a M. Félix qui veut poser une question. Allez-y. Oui, bonjour. J'ai une terre qui était située là, dans un secteur qui était zoné là, blanc et récréo-touristique, là, qui est maintenant en zone de villégiature à développement. Je me demandais si ce changement-là au niveau de la réglementation peut avoir des effets limitatifs sur ce que je peux faire maintenant avec mon terrain, c'est-à-dire si j'avais des projets personnels, par exemple, peut-être faire un abri sommaire ou bien éventuellement me bâtir une maison. Est-ce que, étant donné que là, ça prend une voie vers le développement, est-ce que ça peut être restrictif dans mes propres projets ou voyez-vous ce que je veux en venir? Oui, oui, effectivement. Mais je dirais, dans la villégiature à développement, puis là, dans votre cas, je pense, votre projet spécifique, c'est ça que vous pourriez aussi vous asseoir, mettons, avec Martine à la municipalité, puis discuter de chacun des éléments de votre projet, mais somme toute, de manière globale, quand on est dans une zone de villégiature à développement, il y a permission de faire du développement. Si en plus, c'est juste à votre compte, on ne parle pas de subdivision de terrain, puis ces choses-là, donc c'est encore très permissif là, à ce niveau-là. D'accord, puis je me demandais, le volet donc récréo-touristique n'est pas perdu non plus, c'est-à-dire qu'il pourrait toujours avoir ce genre de développement-là avec le terrain? Oui, il y a encore certaines activités récréo-touristiques qui sont autorisées. Ça serait juste de voir là, dans le détail qu'est-ce que vous avez en tête par rapport aux différents usages autorisés. Là. Si vous êtes capable là, d'identifier la zone dans laquelle vous vous trouvez, puis d'aller voir la grille, comme j'ai mentionné tantôt, là, il y a une grille associée à chacune des zones. Vous allez voir la liste des usages qui sont autorisés dans la zone. Ça devrait donner déjà une bonne indication là, de ce qui est permis. Excellent. Puis peut-être, je ne sais pas si je peux me permettre encore une autre petite question. Je me demandais, qu'en était-il au niveau du territoire, les mini-maisons avec le règlement? Y a-t-il quelque chose qui, par rapport à ça, sûrement? Il y a un ajustement globalement sur l'ensemble du territoire de venir permettre des maisons de plus petite superficie. Il y a des endroits dans le passé que ça avait déjà été ciblé. Là, proche, Martine, tu me corrigeras là, si je me trompe, là, mais à l'entrée de la forêt Waro, il y avait déjà des projets qui avaient été ciblés de manière spécifique. Là, la volonté, c'était d'être plus permissif
sur le territoire pour permettre des mini-maisons. Parfait, merci beaucoup, ça répond à mes questions. Parfait. Je suis ouvert, voilà. Oui. Monsieur ou Madame Ouellette? Oui, bonsoir. Alors, ma question touche au niveau du déploiement des télécommunications. Donc, on voit que dans le plan stratégique d'urbanisme, on touche pas du tout, aux infrastructures de ce qui a trait au 5G ou tout ce qui est téléphonie et tout ça. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé en urbanisme ou non? Je dirais que généralement, ce n'est pas un sujet qui est intimement lié à l'urbanisme, là, spécifiquement. Là. Puis on n'a plus de pouvoir en termes de municipalité là-dessus. Je sais qu'à l'échelle de la MRC, puis là, probablement Chantal ou Martine pourraient même en renchérir là-dessus. À l'échelle de la MRC, il y a un projet là, qui est en cours là, pour passer la fibre optique là, sur l'ensemble des territoires de la municipalité. Au niveau du plan urbanisme, généralement, si on l'adresse, ça va être c'est plus relié, on pourrait dire, mettons, au développement économique. Des fois, ça peut être un frein au développement économique. On pourrait l'adresser pour dire que si la municipalité veut promouvoir ça, en tout cas pousser ça pour sa réalisation, mais en soi, ça sera pas, c'est pas la municipalité qui est la principale acteur là-dedans, malheureusement. Fait qu'on est un peu à la remorque là, des projets, soit des compagnies ou dans ce cas-ci, c'est quand même intéressant pour vous, là, mais je ne sais pas c'est quoi l'horizon de temps qui est piloté par la MRC. Je ne sais pas, Chantal ou Martine, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça spécifiquement. Oui, bien présentement, je pense que Mme Ouellette aussi était dans la rencontre de connexion Matawini. Il y avait une rencontre à ce sujet. On est affilié avec la MRC. La MRC a un projet de développement de la fibre optique et qui est consolidé par Connexion Matawini et affilié avec Cooptel, qui va être le fournisseur de réseau. Et c'est débuté dans le territoire de toute la Matawini. Là, présentement, pour ce qui concerne Notre-Dame de la MRC, ils se sont en construction à Saint-Donat présentement, ils s'en viennent vers ici. Pour 2021, il y a à peu près la moitié du territoire, une partie du territoire, près de la moitié, qui vont être desservis à l'automne 2021 et ça devrait se terminer en 2022. Si vous voulez voir l'évolution de ce projet-là en vous abonnant à Connexion Matawini, vous allez voir l'évolution au fur et à mesure. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous. Parfait. On va y aller avec M. Alan Bryson. Je pense que c'est ça, là. Est-ce que c'est M. Bryson? Oui, parfait. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, bon. Écoute, peut-être que j'arrive tard dans vos discussions par rapport à au processus là, du règlement là, sur le plan d'aménagement là, pour la municipalité, mais j'ai compris que c'était une rencontre publique de consultation ce soir, mais j'ai appris qu'il y a un avis de motion qui a été passé aujourd'hui. C'est ces règlements-là qui s'appliquent. Ensuite, j'apprends qu'on a 7 jours pour commenter le document par une présentation Zoom sans présentiel. Je trouve le délai extrêmement court. Troisièmement, j'ai pas entendu parler du PDZA par rapport à son application l'application du nouveau règlement. Quatre, actuellement, ce que je vois dans la municipalité puis dans les alentours, c'est qu'on a des développements résidentiels qui s'implique. Il y a plus de développement résidentiel là, dans les zones qui sont considérées non résidentielles que dans le secteur centre du village et qui se développe. Et je viens de voir les différentes couleurs là, par rapport à l'aménagement qu'il y a dans les différents territoires de la municipalité. Puis c'est assez énorme, là, les secteurs verts pâles.
Fait que je vois qu'est-ce qui se passe dans la zone rurale actuellement, puis je peux juste imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans les autres secteurs de la municipalité. Je pense qu'on est de mise là, de s'asseoir puis d'analyser bien comme il faut où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, puis comment qu'on veut que la municipalité se développe d'une façon concrète puis concertée, puis pas n'importe comment la façon qu'elle est en train de se développer actuellement. Je sais que les propos que je tiens ce soir sont directs, mais c'est la réalité, c'est ce qu'on vit actuellement sur le territoire. Puis des projets ruraux qui sont supposés d'aller dans la zone rurale par le passé, qui ont été bloqués et même amenés en cours, qu'aujourd'hui, on permet des développements résidentiels dans la zone rurale qui n'ont pas des règlements dans ce sens-là, c'est pas possible. C'est carrément pas possible. Alors, je ne sais même pas par où commencer avec tout ça, là, mais je pense qu'il y a une question de réflexion importante à avoir avant qu'on fait bing-bang par un Zoom, par une rencontre Zoom, puis tout d'un coup, 7 jours après, là, c'est mis en application. Là, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je pense que l'ensemble des résidents doit avoir une copie du nouveau règlement au complet, avoir le temps de passer à travers point par point, puis d'émettre les commentaires dans plus de 7 jours. Là, c'est impossible de faire ça avec toutes nos responsabilités individuelles là, que nous avons à tous les jours. Oui, effectivement. Merci du commentaire. Il y a beaucoup d'éléments. Quand même, dans le processus, comme j'avais expliqué au début, il y avait eu des séances de travail avec la population, là, puis quoi que le conseil municipal. Fait que c'est au niveau de la vision et la réflexion derrière la volonté de tout ça, puis la vision, ça avait été travaillé d'un commun accord avec tout le monde. À travers les procédures d'adoption, tu sais, là, aujourd'hui, c'est l'avis de motion, mais c'est juste une étape. Il y a quand même déjà un mois de ça, il y a eu l'adoption du projet de règlement à travers même plus d'un mois de ça. Il y a eu un avis public aussi pour dire que les documents étaient disponibles en ligne pour votre lecture et interprétation. Il y avait un 15 jours pour émettre des commentaires et là, on est, je pense, une semaine au-delà du 15 jours et il y a la séance d'information. Donc, il y a quand même... Peut-être que vous ne l'aviez pas vu passer, là, puis ça arrive, c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même eu un processus où les gens ont eu le temps d'en prendre connaissance. Là, c'est de voir s'il y a des éléments spécifiques sur lesquels vous pensez qu'on devrait pousser la réflexion plus loin. Ça va nous faire plaisir. Là, je comprends, là, je ne connais pas l'historique là, de tous les projets qui se sont passés à Notre-Dame-la-Merci. Puis après ça, ce qui est en zone bon, plus rurale, plus développement, consolidation, développement. Ça, c'est aussi dicté par le schéma d'aménagement. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Là, on ne peut pas être plus permissif que ce que les autres nous mentionnent dans le schéma d'aménagement. Donc, ça, c'est pris en considération. Puis il y a aussi peut-être une distinction à faire en termes de bon, développement résidentiel hors périmètre d'urbanisation. Dans certains cas, bon, c'est plus considéré comme de la villégiature. Donc, peut-être une distinction un peu subtile à ce niveau-là, où ben, c'est à des fins résidentielles principalement, mais sur des plus grands terrains. Donc, ça, c'est pris en considération pour éviter là, que la trop grande intensification là, sur le territoire. Certains, beaucoup d'endroits où on ne peut pas ouvrir des nouvelles rues non plus là, pour ne pas trop pousser la construction là-dessus. Et il y a l'élément que vous avez mentionné, là, le PDZA, là, sur lequel je me questionne, là, que on va regarder spécifiquement par rapport à ça, là, pour voir qu'est-ce qui pourrait prendre en compte ce qui pourrait être intégré là, au niveau de la planification de la réglementation à ce niveau-là. Fait que j'en prends bonne note là, à ce niveau-là. Allons-nous, à chaque fois qu'il y a un lac là, perdu dans le forêt, là, permettre un développement résidentiel, peu importe le règlement, ou comment qu'on va procéder? Parce qu'actuellement, là, c'est ma perception là, du règlement qui est mis en place. Puis deuxièmement, est-ce qu'on a besoin d'autant de zonage dans la municipalité qui, à mon avis, à moi, est rurale, de villégiature? Parce que chaque fois que vous avez mentionné villégiature, vous avez mentionné chemin et ainsi de suite. À partir du moment qu'il y a un chemin, puis il y a un lot de... je ne sais pas c'est quoi le minimum accepté actuellement à la municipalité, mais 20 000, 30 000, 40 000 pieds carrés, ça veut dire qu'il y a des maisons puis de la population en maudit là, qui s'installe là, dans des zones qui sont carrément
actuellement dédié 100% à la nature. Puis je commence même pas dans les zones rurales parce que les zones rurales, je vais me fâcher davantage. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? C'est quoi l'objectif actuellement, clair, net et précis? J'aimerais ça avoir une réponse de la part de la municipalité. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Veux-tu répondre, Martine, ou on va. Ce qu'on va faire, M. Bryson, là, le conseil il va se rencontrer, puis on va vous répondre aux questions que vous avez posées. Fait qu'on va se pencher là-dessus et puis on va vous donner une réponse. D'accord, mais comme c'est là, on a 7 jours pour émettre des commentaires. Y a-t-il moyen de mettre un délai d'un mois? Non, M. Bryson, on est dans les délais, là, on est dépassé nos délais. C'est pas 7 jours ou 20 jours ou 30 jours qui vont faire la différence comme c'est là, là. Ça, c'est clair, net et précis. Mais M. Bryson, le conseil va se pencher là-dessus et on va vous donner une réponse. OK. Parfait. Parfait. Excellent. Maintenant, on va aller à M. Alain Piché. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, allez-y. OK, parfait. J'ai deux petites questions. Durant les 2 semaines là, d'avis écrit, là, des choses, c'est juste ce que vous nous avez montré tantôt que vous avez eu. Il n'y a pas eu d'autre chose que ça? Je ne comprends pas votre question, M. Piché. OK, je vais la reformuler. Dans les 2 semaines d'avis écrits, pour avoir les commentaires que vous nous aviez demandé, tout ça, les seuls commentaires que vous avez eus, c'est ceux que Jean-François Vienne nous a montrés tantôt? Effectivement, c'est les seuls commentaires qu'on a reçus. Okay. Il y a eu quand même, peut-être juste spécifié, mais je l'ai mentionné tantôt, je vais le répéter, il y a eu quand même quelques autres questions liées vraiment à des gens qui posaient des questions sur leur terrain, là, spécifiquement, fait qu'on ne l'a pas ressorti pour vous faire part des gens qui se demandaient s'ils pouvaient encore faire un garage. Là. Mais les questions d'ordre général, là, c'est ça. OK, parfait. La deuxième chose, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que monsieur... Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Là. Moi, sur mon show, c'est marqué Hallins, Arfon. C'est M. Bryson. Bryson, ben, c'est ça. En fait, là, pour tout le monde, puis nous aussi, puis j'en ai déjà parlé avec une couple de personnes à la municipalité, on s'est senti un petit peu pressé, sauf que en comprenant le processus, puis en comprenant toutes les choses, on voit aussi pourquoi là, c'est pas juste une. Ce n'est pas un sentiment de dire ben il faut passer ça, puis on fait ça pendant la pandémie, puis tout ça. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas ça du tout. Puis, mais il y avait beaucoup, beaucoup de documents à lire aussi, là, tous les règlements, le plan d'urbanisme, tout ça. C'était quand même assez compliqué. Je referme la parenthèse. Mon autre chose, M. Vien, tantôt, vous avez parlé des usages conditionnels, là, puis des résidences de tourisme, tout ça. Vous avez dit que ça reviendrait plus tard. Y a-t-il une raison où, moi, ce que j'avais compris dans le plan d'urbanisme, en tout cas, pour avoir parlé avec une couple de conseillers, Isabelle, tout ça, ce que je comprenais, c'est que le taux des lacs, des principaux lacs, était comme protégé de ça. Là, vous avez dit tantôt que ça reviendrait plus tard là, pour la location à court terme et tout ça, parce que je sais que le gouvernement va autoriser là, les Airbnb et tout ça. Fait que moi, je veux juste savoir si le taux des lacs va être touché là-dedans ou c'est réellement, je ne sais pas comment dire, là, mais si ça va être juste comme c'est présentement ailleurs dans la municipalité. Comme nous, là, présentement, la location à court terme dans mon secteur, on va parler pour le mien parce que c'est celui-là que je connais, la location à court terme n'est pas autorisée. Mais est-ce que, avec le plan d'urbanisme, ça va changer? Dans le fond, avez-vous terminé? Oui, en tout cas.
Je vais adresser deux volets. Le premier élément, je pense, c'était dans votre parenthèse. Effectivement, vous avez raison, c'est quand même beaucoup d'éléments que vous avez eu même plus de temps à analyser que normalement le processus standard qui est juste une séance de consultation. Là. Fait que ça, là-dessus, c'est intéressant, mais il y a beaucoup d'éléments techniques, je pense, reliés à l'urbanisme là, qui nécessitent là, des fois de se questionner un petit peu plus. Fait que tant mieux si vous avez au moins jeté un coup d'œil de manière préliminaire sur les documents. Puis ce que je voulais mentionner, c'est que ce n'est pas une fin en soi non plus. Là. À partir du moment où ça rentre en vigueur, c'est pas gelé puis ça ne bougera plus jamais, puis on est poigné entre guillemets avec ça. Le but, c'est de venir dresser la table puis mettre la base avec une nouvelle réglementation, une nouvelle vision qui pourrait après ça venir être bonifiée ou évoluer en fonction des différentes demandes qui pourraient venir de la population. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Puis il y a aussi le fait bon, qu'on se fait pousser. Dans le dos là, pour aller de l'avant pour l'adoption, autant par la MRC que par les ministères. Fait qu'il y a ça. Fait que ça, c'est le premier élément. Donc, en soi, ça va continuer à être agile après. T'sais, on va pouvoir ajuster en fonction des différentes demandes, des différents besoins. Puis si on veut raffiner, on pourra le faire. Fait que ça, c'est quand même bon à savoir. Et le deuxième élément par rapport aux résidences de tourisme, peut-être mes propos ont été mal interprétés. Quand j'avais parlé de la réglementation, j'avais dit la volonté, les objectifs généraux, c'était d'assurer, de préserver la quiétude autour des lacs, puis de protéger ces milieux-là qui sont plus sensibles. Donc, ça va perdurer aussi dans le temps. C'est ça qu'on retrouve à l'intérieur du plan d'urbanisme, à l'intérieur de la réglementation présentement. Mais on veut s'assurer aussi de faire une mise à jour au niveau du règlement d'usage conditionnel qu'on ne peut pas faire en même temps que tout le reste, mais dire que quand tout le reste va être adopté, on va regarder le règlement d'usage conditionnel et on va solliciter la population pour dire, bon, mais regardez, dans l'optique où on ne veut pas que ça bouge, là, à moins qu'il y ait un mouvement de masse populaire où vous demandez absolument qu'il faut que ça se passe, là, on ne veut pas que ça bouge autour des lacs et dans les milieux sensibles. Ça, c'est cané, puis le conseil est tout à fait d'accord avec ça. Mais ailleurs, sur le territoire, est-ce que vous voyez d'autres opportunités où ça pourrait être intéressant? Fait que c'est seulement dans cette optique-là. Puis ultimement, peut-être que vous allez dire, ben non, on ne veut pas que ça bouge, puis ça va rester tel quel. Mais c'était juste de mentionner que dans la révision globale de tous les outils urbanistiques de la municipalité, on a tout revu, sauf celui-là, qui, si on veut le revoir, ça viendrait plus tard dans le processus. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais je veux juste un éclaircissement. Là. Ça veut-tu dire qu'à l'entour d'un lac là, qui est déjà comme présentement, là, il ne pourrait pas avoir un bed and breakfast? S'il n'est pas... Allez-y. Ben, c'est ça. Si, ou mettons, là, je sais qu'il parlait des... Là, il faudrait que je ressorte tout le document complet, là, mais des hôtels de 5 chambres ou whatever, là, mais mettons un bed and breakfast, il ne pourrait pas en avoir un à l'entour d'un lac ou ce que c'est là. Tu vas plus comprendre ce que je veux dire. Je ne sais pas si les autres vont suivre, là, VC ou VD. Martine, je pense que tu voulais... Oui, ben, je pourrais peut-être répondre à M. Piché. Dans la réflexion, les membres du conseil ont regardé la possibilité de permettre la location court terme dans certains secteurs de la municipalité, mais surtout dans la grande affectation VD, là, qui est villégiature de développement. Le conseil municipal, dans sa réflexion, était très soucieux de tout ce qui était autour des lacs, là, les couronnes tout autour des lacs qui est dans les zones VC, qui est villégiature de consolidation. Et ils ont regardé là, zone par zone et tous ces secteurs-là, le conseil municipal s'est prononcé à l'effet de ne pas autoriser la location court terme. Ce que M. Vien nous explique, c'est que avant de pouvoir permettre l'ouverture de certaines zones pour la location court terme, on va devoir modifier notre règlement sur les usages conditionnels pour venir les inclure, ces zones-là. Mais comme M. Vien expliquait, on va pouvoir les modifier, mais seulement après l'entrée en vigueur de nos règlements dont on parle ce soir-là. Mais je vous rassure, M. Piché, le conseil municipal ne voulait pas de location court terme aux abords des lacs
et toutes les grilles autour des lacs là, ne contiennent pas l'usage de résidences de touristes. Je ne sais pas si okay, ça répond à votre interrogation. Là. Ben, c'est-tu les résidences de touristes, là, les bed and breakfast, c'est c'est pas tout à fait la même chose. Résidence de touristes, c'est tout ce qu'on parle de location court terme. Location court terme, c'est un chalet qui est loué en totalité pour du court séjour, là, moins de 30 jours. Un bed and breakfast, c'est un propriétaire qui habite la maison et qui va louer une seule chambre et non pas tout l'immeuble. Fait qu'il y a vraiment des définitions différentes. Là. Alors, on parle plus de Airbnb dans la location court terme. Là. OK, parfait. Ben, ça répond. J'aurais d'autres questions, mais on s'en reparlera plus tard. Ça veut dire, est-ce que je veux juste être sûr là, pour que les usages conditionnels. Là, j'ai l'air de faire une fixation là-dessus, là, mais. C'est parce que j'ai lu que le gouvernement du Québec s'est entendu avec Airbnb et d'ici 2023, ça va être toutes les locations court terme vont être autorisées partout à grandeur du Québec, sauf si on demande à notre municipalité, il faut que la municipalité fasse une demande pour que ça soit en tout cas exclu. J'ai-tu bien compris? Je peux peut-être, Martine, allais-tu dire quelque chose par rapport à ça? Ou... Non, je m'en allais dire, on va attendre de voir le texte de la loi provinciale pour voir ce que ça va donner. Là. Vous pouvez regarder, là, c'est le projet de loi 67. Là. Puis vos dates sont peut-être un petit peu off. Là. Puis comment ça s'est passé, puis si c'est une entente entre les plateformes puis le gouvernement, je ne sais pas. Mais le résultat, c'est pas 2023, le projet de règlement il est en cours, là, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va entrer en vigueur. Et ce qui va y arriver avec ça, c'est ça ne va pas venir permettre la location à court terme à longueur d'année sur l'ensemble du territoire, là, ça va venir permettre, puis ça, les municipalités, puis ça, vous l'avez mentionné, les municipalités ne pourront pas l'empêcher, sauf s'il y a un exercice de consultation publique auprès de sa population spécifiquement pour ça. Puis on verra le fin détail quand ça va rentrer en vigueur, là, puis ça va être un peu plus avancé. Là. Mais ça va venir permettre à des gens, par exemple, que c'est leur résidence principale, donc quelqu'un qui réside là à longueur d'année, de venir mettre cette résidence-là en location pour de la location court terme, pour un court séjour, ou en tout cas plusieurs courts séjours, jusqu'à un maximum de, si j'ai bien compris, quelque chose comme une trentaine de jours par année. Ce qui ferait que, donc, on n'est pas vraiment dans les cas les plus extrêmes là, qu'on a voulu encadrer avec la réglementation sur les usages conditionnels, là, des gens qui roulaient des chalets là, avec des groupes qui rentrent tous les deux jours à longueur d'année. On est comme dans un autre registre. Puis je vous dirais que le projet de loi il est comme en cours là, d'adoption. Là. Donc, on va voir dans les semaines ou mois qui viennent, effectivement, on pourra regarder avec le conseil et avec la population comment on peut réagir par rapport à ça. OK, bien, je vous remercie beaucoup parce que disons que je le sais par rapport à la municipalité, la location à court terme, c'est quand même un peu difficile, tout ça. Là, tu me rassures un petit peu, fait que je me fie sur vous autres. Je vous dirais que quand le projet de règlement, la première fois que ça a apparu, les municipalités n'étaient pas bien contentes de se faire imposer ça par le gouvernement, de dire que les municipalités ne pourront pas l'interdire, sauf à travers là, un processus là, un petit peu complexe. Là. Fait qu'on attend de voir les fins détails pour s'assurer. Parce que ce serait ironique d'avoir mis un encadrement super bien balisé pour de la résidence de tourisme, puis après ça, le gouvernement passe et disant non, il n'y a plus rien. Ben, exact. C'est exactement moi ce que je dis. OK, parfait, merci. Plaisir. Aviez-vous d'autres questions, M. Piché? Ou c'est... Non. Parfait. On va poser à M. Langevin. Oui, est-ce qu'on m'entend? M'entendez-vous? Oui, on vous entend.
Moi, mon premier questionnement, c'est sûr qu'aujourd'hui, je regarde ce qui me touche le plus aujourd'hui, mais dans son ensemble, c'est sûr que ça pourrait aller dans bien des choses. Quand je regarde le règlement que vous avez mis sur place pour les garages des municipalités qui sont adjacentes aux résidences, qui ne sont pas attachées à la maison, j'ai regardé qu'il y avait plusieurs obligations en retard de faire ça, dont une entre autres qui ne devait pas dépasser, le garage ne doit pas dépasser 50% de la superficie maximale de la résidence principale. Là, je ne vous suis pas là-dedans dans ce que vous vouliez. Vous parliez de la hauteur du garage qui ne doit pas être plus haut que 6 mètres, qui est 19 pieds, point Q. Plein de choses comme ça que je regarde dans le règlement, dont on ne peut pas mettre aussi une distance minimale d'une construction accessoire de 2 mètres. J'ai deux questions. La première, c'est qui s'est penché sur ces demandes-là, puis pourquoi qu'on ne peut pas construire quelque chose de 2 mètres du garage? Pourquoi qu'on ne peut pas aller plus haut que 18 pieds, 19 pieds sur un garage? Comment vous en êtes arrivé à ça? Parce que si je regarde un garage, là, c'est 9 pieds, mettons le premier étage, deuxième 8 pieds, qui fait 17 pieds. Puis normalement, si on met des crosses les plus petits, là, 4 pieds, là, bien, on a déjà dépassé la réglementation. Fait que là, je me demandais pourquoi qu'on en est venu à ça, puis pourquoi que la ville, elle nous impose ça. C'est-tu la ville ou ben non, c'est la MRC ou c'est-tu les règlements? Parce que je vous écoute depuis le début, c'est dur à savoir qu'est-ce qui vient de la ville puis qu'est-ce qui vient des obligations. Parce que vous, M. Vien, vous avez dit depuis le début, on ne peut pas aller à l'encontre de qu'est-ce qui nous oblige à faire, mais qu'est-ce qu'on nous oblige puis qu'est-ce qu'on nous oblige pas. C'est dur à voir, puis je ne pense pas que le gouvernement, dans l'urbanisation, nous a demandé de mettre des garages à 18 pieds, puis de mettre des accessoires à 2 mètres du garage, puis d'être tant de distance de la maison, puis etc. Alors, c'est ça ma question. Les normes par rapport aux bâtiments accessoires comme ça, là, c'est des normes municipales, ce n'est pas des normes provenant de la MRC. Là. Fait que là-dessus, vous avez raison. Fait qu'on a la marge de manœuvre. Je vous dirais que de manière générale, ce qui avait été travaillé, puis là, peut-être Martine, toi, tu l'as peut-être plus proche que moi souligné, là, ce qui avait été travaillé, c'est d'être encore plus permissif que de la réglementation avant, puis aussi de venir distinguer si on se situe à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à l'extérieur. L'objectif, je pense, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, c'est de s'assurer que les garages ne deviennent pas bien plus gros que les maisons là, pour garder un ratio intéressant. Au niveau du 50%, je pense que ça se fait à valider, là, Martine. Puis au niveau des hauteurs, c'est un peu ça aussi. Là. Puis ça, c'est normalement, on veut appliquer ça principalement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans les garages qui ne sont pas bien plus gros que la résidence. Si c'est quelque chose que vous voulez, sur quoi on peut se pencher, par contre, on peut regarder spécifiquement. Mais d'ordre général, la réflexion, ça avait été d'être plus permissif qu'anciennement. Il faudrait voir aussi par rapport à la réglementation actuelle. Au niveau des superficies, là, on avait augmenté les superficies et à mon souvenir, on les avait aussi fait évoluer en fonction de la grandeur des terrains et de la localisation sur le territoire. Martine, veux-tu rajouter quelque chose par rapport à ça? On pourrait se pencher plus sur le détail, là, mais... Moi, j'ai pas l'article sous les yeux, là. Il faudrait vraiment que je regarde ça. On le regardera. Là. Tu sais, la volonté, ouais. Je pense, c'est d'être assez flexible à ce niveau-là. Fait que, si vous soulevez ça comme préoccupation, c'est clair qu'on va le regarder par rapport avec le conseil municipal. Là. Mais tu sais, généralement, par rapport à l'existant, la volonté, c'était d'être un peu plus permissif. Puis, il y a aussi, en fond, il y a un certain contrôle. Là. La volonté, c'est d'avoir un certain contrôle au niveau de la hauteur des superficies par rapport à la résidence principale pour pas que ça devienne démesuré puis que ça devienne uniquement un garage avec une petite maison. C'est un peu ça la réflexion derrière. Mais si je comprends bien votre commentaire, c'est de pousser ça encore plus loin là, puis de s'assurer que ça fasse du sens puis que ça soit flexible sur le territoire. Vous, est-ce que, mettons, dans votre situation, on parle d'être à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, là, où il y a plus d'intensité d'activité, ou on est à l'extérieur sur des grands terrains?
Non, moi, je suis à l'intérieur de ma zone, de ma maison, etc. Puis, non, il est à l'extérieur de la zone rouge. Il est en zone verte, verte pâle. À l'extérieur du noyau villageois, maintenant. Oui, c'est ça. Je suis près d'un lac, puis je vous dirais que quand j'ai vu ça, le nouveau règlement, j'ai dit, moi, ma maison mesure pas plus haut que les autres, 28-29 pieds, puis là, on tombe, je ne serai jamais assez haut, jamais plus haut que ça. Je peux comprendre notre municipalité, puis pour l'avoir vu moi-même, que des fois, il y a des garages, là, le gars, il est rendu que son garage, il est trois fois plus gros que la maison, puis qu'il fait de la construction, fait de la mécanique, etc., mais dans son ensemble général, un garage, ça a quand même un minimum. Si tu veux faire un trois portes de garage, mettons, avec deux étages, bien, on ne peut pas capable de faire ça. Là. Puis ce n'est pas un château de garage qu'on fait, un trois portes 30 pieds par 25 pieds, mettons. Ce n'est pas énorme. Là. Mais ça, on ne rentre pas dans les normes non plus. Puis là, je ne vois pas où est-ce qu'on s'en va. On va demander des dérogations à tout bout de champ pour n'importe quelque chose qu'on veut faire. Parce qu'oubliez pas, là, juste couper un arbre, là, à cette heure, on va demander un permis. Là. Fait que si j'en coupe un par semaine, il faut que je m'en ai permis une fois par semaine. Ce n'est pas à l'année. Là. Ensuite, je m'en ai permis pour un spa, je m'en ai permis pour une thermopompe, je m'en ai permis pour, vous savez, je peux tout vous les nommer, on m'en a des permis pour tout. Je peux comprendre ma municipalité parce que moi-même, mon voisin, je ne voudrais pas qu'il y ait une antenne qui soit en face de chez nous qui est aussi grosse que celle de Roger. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est de balancier, moi je me dis, du citoyen comme moi, normal, qui quand il fait quelque chose, pense qu'il fait quelque chose de normal, mais ils ne sont pas obligés de toujours aller cogner à la municipalité pour dire, regardez, là, ce que je vous demande, c'est un garage bien ordinaire, parce que j'ai 9 pieds en bas, 10 pieds en haut, 4 pieds de trosse, ben, ça dépasse 19 pieds. Puis moi, ma maison, elle a 30 par 40, deux étages, elle a 2000 pieds carrés, fait que là, j'ai le droit d'une superficie de 1000 pieds carrés de garage. Tous les plans que je regarde d'un trois portes, bien ordinaire, là, avec un deuxième étage pour le rangement, bien, ça a tout 1500-1700 pieds carrés. Fait que c'est ça, je ne rentre plus dans les normes. Fait que c'est pour ça que je vous ai posé la première question. Qui s'est penché sur ces normes-là que vous avez décidé de faire, la municipalité? Parce que, tu sais, ça a des conséquences avec tous vos citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci. Moi, je trouve que vous avez une responsabilité énorme de nous exposer aujourd'hui des règlements qui viennent toucher tous vos citoyens. C'était un peu ça ma question au départ. T'sais. Par après le garage, ben, je vais appeler Martine et je vérifierai avec elle exactement qu'est-ce que je suis capable de bâtir. Mais je pense qu'il y a des choses dans les règlements que vous avez mis qu'à la base, va irriter le citoyen normal qui ne veut pas déjouer le système puis qui ne veut pas une cour de scrap dans sa cour puis qui ne veut pas qu'il ramasse un paquet de cochonneries dans deux, trois garages, deux, trois pergolas qui sont rendus avec du stockroom. Nous, on n'a plus ça, là, ce privilège-là. Là. C'était ça. C'est bon. Mais on en prend bonne note. Puis comme je mentionnais tantôt, ça peut toujours être affiné. Fait qu'on va regarder pour le faire. Puis, de manière générale, comme je disais, la volonté, c'est d'être plus permissif qu'anciennement. Fait qu'anciennement, est-ce que vous aviez même le droit de le faire? Après ça, ça va être de voir jusqu'où on veut aller en fonction de ce qui est jugé normal, là, comme gabarit de garage, puis ces choses-là. Fait qu'on pourra. Puis si, en plus, à travers des discussions avec Martine sur ce que vous avez en tête, on peut voir ce qui pourrait être considéré comme un projet de garage standard ou intéressant, on pourra en faire bénéficier là, le conseil dans sa réflexion. Merci beaucoup, M. Langevin. Est-ce que vous aviez d'autres questions? La seule affaire que j'aurais aimé me faire répondre aujourd'hui, parce que je suis présentement dans le processus de faire ça, là, puis les plans, etc. Quand vous parlez d'un 50% de la superficie de la maison, si, mettons, j'ai 2000 pieds carrés dans une maison, quand vous parlez de 50%, j'ai droit à 1000 pieds carrés de superficie carrée ou, ben non, superficie habitable ou, ben non, utilisable dans un garage? C'est ça aussi ma question, là. Ça, j'ai parlé à plusieurs personnes à la ville, mais pas à la ville chez vous, mais les citoyens, là, puis personne n'est capable de répondre. C'est quoi vous voulez dire quand vous dites 50% à la moitié de ce qui est habitable chez nous? C'est ouais. OK. Bien, on va spécifier. On peut s'assurer aussi de clarifier le libellé, là, mais c'est probablement pas ce qui est habitable qu'on a calculé. C'est une superficie. Si c'est superficie tout seul qui est écrit, c'est l'ensemble du bâtiment, l'habitable, non habitable.
dans le fond, mur à mur. Mais on s'assurera de bien clarifier le calcul. J'ai trouvé la grille aussi. On parle de 50 % de superficie à l'intérieur du périmètre urbain. Et à l'extérieur du périmètre urbain, on a le droit à 65 % de la dimension de la maison. Et par rapport aux distances minimales entre un bâtiment principal, on doit avoir entre un garage, par exemple, et un bâtiment principal, on doit avoir un 5 mètres de dégagement. Et on doit avoir 2 mètres de dégagement entre deux bâtiments accessoires, dans le fond, entre une remise et un garage. Ça, c'est vraiment des normes qui découlent, des normes de sécurité incendie. Là, c'est vraiment pour protéger. S'il y a un incendie dans un des bâtiments, ben, ça n'embrase pas tous les bâtiments là, de l'ensemble du terrain. Là. Tu sais, exemple, s'il y a un incendie qui débute dans le garage, ben, ça peut aider à protéger la construction du bâtiment principal. Fait que ça, c'est vraiment pour des normes incendie, là, les normes de dégagement. Pourrais-tu poser une question? Ça ne sera pas là, M. Piché. Je vais retourner. C'est M. Piché, ça? Oui, non, mais c'est par rapport à ça. C'est parce okay. qu'il y a une... Martine, juste une petite question comme ça. Dans votre règlement, regardez-les comme il faut, là, parce que le garage est à 5 mètres de dégagement de la résidence principale. OK? Mais moi, j'ai en tout cas, je ne dirais pas la personne... Il est à 5 mètres de dégagement de sa résidence, mais il est à moins de 3 mètres de la résidence de l'autre, du voisin. Fait qu'il faudrait que ce soit 5 mètres tout le tour. Là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, c'est 5 mètres tout le tour. C'est sûr que si après ça, on a une situation qui est existante, bien, il y a un droit acquis par rapport à ça. Non, il y a un droit acquis, mais la personne, quand elle a bâti son garage... Moi, j'ai été obligé de mettre le mien. Je n'avais pas de trouble avec ça. Là. Je l'ai mis à 5 mètres. Parce que, bon, pour le feu et tout ça, moi, je l'ai mis à 5 mètres de ma résidence. Mais l'autre personne, à bâti le sien, elle met à 5 mètres de sa résidence, mais elle tombe à 3 mètres de la résidence du voisin. Puis là, tu n'es plus à 5. Il faudrait que ça soit au moins 5 mètres de la résidence du voisin aussi. De toute résidence. Pardon? Il faudrait que ce soit 5 mètres de toute résidence. Oui. Je ne sais pas, parce que moi, en tout cas, je l'ai vu. Si tu veux en privé, je te dirai c'est qui, mais je l'ai vu comme ça. Moi, je me disais, là, c'est parce qu'on a l'occasion qui se présente que j'en parle, sinon, je n'aurais jamais parlé. C'est fini? Ouais, on a aussi l'occasion de s'assurer que ça soit bien libellé pour. Selon moi, c'est déjà ça, là, en tout cas, dans le nouveau règlement. On va s'assurer que ça soit bien libellé. Honnêtement, excuse-moi, je ne le sais pas, mais moi, je sais que je l'ai vu, ça s'est vécu. Puis là, je me disais, ça n'a pas de sens, parce que moi, il me disait, c'est parce que si jamais ton garage prend feu, s'il est à 5 mètres de ta résidence, ben, si tu es plus proche du voisin, si le voisin prend feu, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est tout pour votre commentaire, M. Piché? Oui, excusez-moi. Parfait. M. Langevin, est-ce que c'était beau? Oui, c'est beau, c'est correct. Merci. Parfait. Là, j'ai M. Félix. Est-ce que c'est une vieille main ou c'est une nouvelle main? Non, c'est une nouvelle main. Là, c'est la gauche. Parfait. Allez-y. Je voulais savoir, en fait, là, la conversion vers villégiature de développement, est-ce que ça pourrait affecter là, à la hausse le compte de taxes municipales, par exemple? Point d'interrogation. Écoute, Martine, ce serait peut-être plus qu'à moi. Là. À ma connaissance, le compte de taxe est identifié en fonction de l'usage qu'on trouve sur le terrain. Ouais, moi, je vous dirais que à la municipalité de Notre-Dame-la-Merci, on a un taux unique de taxation. Donc, peu importe l'utilisation qu'on a, c'est sur l'ensemble, tout le monde paye le même tarif. Là. OK. OK, puis merci. Puis je voulais juste savoir, est-ce que la réponse là, que vous allez donner à M. Allan, est-ce que ça va être accessible d'une façon ou d'une autre pour les autres personnes? Mettons, si je voudrais consulter ça ou peu importe.
c'était par rapport, Monsieur Allan avait posé des questions là, par rapport au développement de la municipalité. Puis, la réflexion là, derrière les choix. Oui, la direction là, que la municipalité... On pourra le mettre sur le site de la municipalité et puis envoyer un message sur, comment on appelle ça, le V, là, voyons. La plateforme. Voilà, on va pouvoir la mettre sur Voilà pour que l'ensemble des citoyens soient au courant de ce qui a été décidé. Parfait. Est-ce que c'est correct pour vous, ça, M. Félix? Oui, moi, ça me va bien aimable. Est-ce que vous aviez une autre question? Non, c'était tout. Merci Parfait. Beaucoup. M. Bryson, là, je vois, est-ce que c'est une vieille main ou c'est une nouvelle main? M. Bryson? Oui, OK. Oui, c'est la main gauche aussi dans mon cas. OK, parfait. J'entends tout ça, M. Vien, c'est parfait, là, c'est celui qui a été identifié pour faire la présentation, puis sauf que je ne suis pas d'accord avec certains de ces énoncés où ils disent qu'une fois que le règlement est passé, il y a moyen de faire des modifications, là, c'est par expérience, c'est pas vrai ça. Puis les questions posées par M. Langevin, M. Piché, M. Félix, la madame avant, puis les miens aussi. Personnellement, je ne suis pas tout à fait satisfait à 100% des réponses qu'on a eues ce soir. Là. C'est assez dans le néant. Dans le sens que des réponses très précises aux questions, là, ils ont pas été répondues. On va vous revenir avec des réponses, on va mettre ça sur Internet. Moi, je pense qu'on a besoin du temps encore. On a besoin d'une réflexion sage. On a besoin de se communiquer entre nous autres comme citoyens de municipalité puis des conseillers de Notre-Dame de la Merci. On n'est pas dans une course contre la montre ici. Là. On est dans un objectif de règlement qui fait le meilleur job possible pour répondre à l'ensemble des craintes puis des objectifs des citoyens de la municipalité. Et ça, je pense que l'ensemble des gens qui sont ici ce soir peuvent être d'accord avec cet énoncé-là. Il faut travailler ensemble. Il ne faut pas travailler dans un sens où c'est l'un contre l'autre. Puis, ce qui a été mis en place, là, on va faire avec, puis on va revenir, puis ça va passer. Par expérience, pour avoir passé à travers les règles qui étaient en place, il n'y a pas tellement longtemps, ça n'a pas très bien été dans mon cas. Puis il y en a d'autres qui ont vécu les mêmes situations des citoyens de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Puis il faut qu'on fasse en sorte là, qu'on réussisse le mieux possible comme municipalité de répondre à l'ensemble de la maximum des citoyens dans la logique des choses pour que ça soit accepté puis apprécié selon la logique que les citoyens de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci désirent. J'aimerais ça que notre conseil municipal réfléchisse à un plan qui va amener à terme l'objectif de la rencontre ce soir, mais dans une manière que les citoyens sont en mesure d'être heureux avec les décisions qui sont prises. Parce qu'un des énoncés qui a été émis ce soir, c'est par M. Langevin, vous avez une responsabilité énorme. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Il ne peut pas avoir mieux dit ça. Et si on est rendu à point d'adopter le règlement, de passer à travers la motion que vous avez adoptée apparemment aujourd'hui, et de faire en sorte qu'on est confortable avec ça, bien 100% des conseils municipaux doivent être en mesure de répondre à 100% des questions des citoyens. Tant qu'à moi. Au moment qu'on arrive à ce point-là, on va être très confortable avec l'adoption du règlement. Bon, on va voir avec ça va être une discussion, je pense que vous l'avez mentionné, là, à voir avec le conseil municipal, puis eux vont pouvoir décider comment ils veulent bonifier la démarche pour la suite des choses. Si on essaie de satisfaire, M. Bryson, ce qu'on essaie de satisfaire, c'est l'ensemble de la population, mais c'est impossible de satisfaire tous les citoyens. On essaye de faire le plus possible. Fait que, de toute façon, comme je vous ai dit, le conseil va se pencher sur les demandes des citoyens ce soir. Et s'il y a des choses à modifier, on va le faire. Si c'est pour l'ensemble des citoyens, ça va être fait.
Fait que c'est beau pour vous, M. Bryson? Oui, merci. Parfait. Là, j'ai Mme Ouellette. Est-ce que c'est une nouvelle main ou c'est une ancienne main? C'est une nouvelle main. Parfait, allez-y. En fait, moi, je me questionne sur les mesures environnementales qui sont assujetties au plan d'urbanisme. Je voulais voir comment vous pensez en faire le contrôle et la vigie. Je ne comprends pas votre question, Mme Ouellette. En fait, vous voulez que dans votre nouveau plan d'urbanisme, il y a différents éléments qui sont axés vers l'environnement. Et je veux juste savoir de quelle façon vous comptez en faire la vigie ou le contrôle ou la surveillance pour s'assurer que ces mesures-là soient bien appliquées. Le plan d'urbanisme, dans le fond, s'applique à travers la réglementation d'urbanisme, fait que c'est l'application du règlement d'urbanisme, là, du règlement de zonage, entre autres, là, qui va venir cadrer au moins encadrer tous les éléments réglementaires reliés à la protection de l'environnement. Là, on parlait, j'avais mentionné lieux humides, abattage d'arbres, rives littorales, etc. Fait que ça, c'est les officiers municipaux et conseils municipaux qui vont s'assurer de leur application, comme ça se fait présentement avec la réglementation actuelle. D'autres éléments du plan d'urbanisme pourront. Puis, tu sais, ça ne se fait pas nécessairement tout au jour 1. Là. Il y a des éléments qui vont être mis en place à court terme, à moyen terme ou à long terme. D'autres éléments pourront être mis en place un peu plus tard. Puis, il y aura un cadre qui sera établi en même temps au niveau de l'encadrement puis de la mise en œuvre, là. Que ce soit à travers un programme ou que ce soit à travers une activité. Ça sera déterminé à ce moment-là. Mais la majeure partie, mettons, de ce qui touche l'aménagement du territoire, le zonage, ça c'est vraiment, ça va être Martine, son équipe, là, puis Chantal, puis ultimement par la bande, le conseil municipal qui va chapeauter tout ça, qui va s'assurer de l'application des différentes normes. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on va vous toucher dans le fond, le volet en urbanisme au niveau de l'environnement et plus au niveau du zonage, puis l'application de la réglementation au niveau des permis, tout ça. Mm-hmm. Puis il y a l'autre volet des mesures environnementales. Okay. C'est clair, merci. Qui sont en parallèle puis qui vont tous vers le même objectif commun. On peut aussi compter sur des partenaires à la municipalité au niveau environnemental. Je vous donne un exemple, l'ACARA. L'organisme de bassin versant de la rivière L'Assomption, là, c'est eux qui voient beaucoup au plan directeur de l'eau là, pour notre bassin versant. Là. L'ACARA, pour vous donner un exemple, a accompagné des gens d'association là, dans la caractérisation des lacs et de la qualité de l'eau ainsi que de la prolifération des plantes aquatiques. Je sais qu'ils ont fait des visites, qu'ils ont fait des inspections. Je vous donne un exemple du lac Georges. Donc, on va, quand on est capable de mettre la main sur des organismes comme ça qui viennent nous aider, là, ça fait partie du volet environnemental également. Là. Alors, oui, il y a la réglementation, mais il y a beaucoup de partenariats qui est fait là, avec différents organismes déjà en place. Puis la municipalité, la bande riveraine, là, c'est très important pour nous. Puis les amendes sont très sévères aussi. Puis on a mis comme permis abattage d'arbres gratuit, mais il faut que les personnes le demandent. Parce que s'ils ne demandent pas, puis ils coupent un arbre, bien, les amendes aussi sont salées. Là. Fait que ça, c'est protection au niveau environnement. Même chose quand la personne va avoir permis de construction, mais il faut qu'il garde combien de pourcentage du végétal, Martine? Le pourcentage, ça va dépendre de la superficie du terrain. Là. Ça va entre 70 % du couvert forestier à 30 % là, tout dépendant de la dimension du terrain. Là. Parfait. Il y a une charte. Ben, est-ce que vous aviez d'autres questions, Mme Ouellette? Ben, si toutefois on est témoin d'une situation, à qui on doit s'adresser pour dénoncer celle-ci? Le meilleur endroit, c'est au service d'aménagement et urbanisme, puis nous, on va faire les suivis qui s'imposent. Excellent. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Mme Ouellette? C'est complet.
pour ce soir. Parfait. Monsieur Piché, c'est une vieille main ou c'est une nouvelle main? Non, moi, j'ai rien. Là. Je me semblais que je l'avais enlevé. Là. Tout est beau, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions à nous poser? Monsieur Taillefer, j'avais un monsieur Gilles qui tente de... Il ne prend pas la bonne main, là, mais il m'avait écrit sur le chat qu'il voulait poser... Ah, monsieur Gilles, parfait. Il applaudit. Allez-y, monsieur Gilles. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, moi, je veux revenir sur la question de location à court terme dans la ville. Et puis, la question sur maintenant que les projets vont être adoptés, le projet, il se trouve être effectif à partir du moment où la ville l'a affecté. C'est ce que j'ai compris tantôt quand monsieur vient, en fait, sa présentation, c'est que les deux projets vont être, pas les deux projets, mais il va y avoir comme deux réglementations. Et là, maintenant, on va faire, on choisit la réglementation qui est la plus punitive pour l'accès, pour le faire s'il y a eu des modifications au niveau de la réglementation pour une portion du territoire. Oui, c'est ça. Bien, dans les prochaines semaines, pendant le processus, dans les prochains mois, là, pendant le processus, c'est que là, on applique les deux règlements simultanément. Maintenant, ça fonctionne pour tous les règlements. Sauf celui d'usage conditionnel. Celui d'usage conditionnel, on n'y touche pas pour le moment parce qu'on ne peut pas. Ça va venir plus tard. Puis, règlement d'usage conditionnel, quand on le fera, principalement à la base, c'est parce que là, on est venu changer le plan de zonage, changer les numéros de zone et tout. Le règlement d'usage conditionnel fait référence aux anciens numéros de zone. Fait que ça va être juste de venir ajuster à ce niveau-là. Puis de voir aussi en même temps avec la population s'il y a la volonté d'ouvrir d'autres zones. Et donc présentement, là, le travail à deux règlements, là, c'est pour tous les règlements sauf celui sur les résidences de tourisme. Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, puis pour les prochains mois, au niveau de la résidence de tourisme, il n'y a aucun changement. Est-ce que ça répond à votre questionnement? Monsieur Gilles, est-ce que ça a répondu à votre question? Non, je veux savoir si ça me dit que maintenant le règlement est adopté sauf pour les maisons de location à court terme. Mais à partir de ce moment-là, est-ce que je peux demander une dérogation? Le règlement présentement, il est en processus d'adoption, là, il n'est pas encore en vigueur. Donc jusqu'à l'entrée en vigueur, il y a les deux règlements. Après ça, vous parlez d'une dérogation mineure, c'est ce que je comprends? Ben, une dérogation, oui. On doit faire location court terme. Si vous me dites que le règlement, ça ne comporte pas la location court terme, on attend, puis je ne sais pas jusqu'à quelle date, parce que honnêtement, votre projet, là, il a pris beaucoup trop de temps. Moi, j'attendais ce projet-là, qui était supposé être fait il y a déjà un an. Maintenant, je suis pénalisé parce que vous prenez beaucoup de temps. Puis là, ben, on me dit, ben, écoute, en plus, sais-tu quoi? On va le reporter parce qu'on n'est pas encore sûr. Fait que là, si je ne peux pas rien faire, ça ne fait pas de sens. Fait que, est-ce que je peux faire une dérogation dans ce cas-là? On me dit ben, peut-être, oui, non, je ne sais pas, mais si le projet, si vous ne reportez pas, on peut faire une demande de dérogation qui devrait être. Est-ce que vous êtes sur le bord d'un lac, M. Gilles? Non. Première question. Je suis sur mon lac privé sur une terre proche dans le village Notre-Dame-de-Merci. Pas dans le village, mais à l'extérieur, zone sud, BD31. Présentement, vous êtes dans une zone qui n'autorise pas la location court terme. Mais dans le nouveau projet, oui. Mais le nouveau projet, c'est parce que c'est pas encore... Parce qu'on ne peut pas modifier un règlement d'usage conditionnel en même temps que toutes les autres. Puis ça, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui est mal faite à ce niveau-là, qui nous oblige de le faire à la suite. Donc, tant qu'il n'y a pas un nouveau zonage qui est rentré en vigueur, on ne peut pas faire des usages conditionnels sur des zones qui n'existe pas encore. Donc, c'est là le problème. Puis, non, mais même, je peux faire une dérogation parce qu'il n'existe pas. On ne peut pas faire une dérogation mineure sur un usage. Ça, c'est une des... ça, c'est la loi aussi là, qui le dit. Donc, une dérogation mineure ne peut pas servir sur un usage, sur la densité ou dans une zone où il y a des risques de sécurité. Fait qu'actuellement, malheureusement, pas au fait de votre projet en particulier, là, mais dans la séquence des choses,
Ça va se faire tout de suite après l'entrée en vigueur. On ne peut pas le faire avant. Ça va être combien de temps ça va être l'entrée en vigueur? Là, ça va être reporté? C'est même pas en même temps que le projet qui est là? Comme je disais, en fonction des étapes que j'ai présentées tantôt, l'entrée en vigueur, puis là, ça va dépendre de la rapidité de la MRC à réagir. Si le conseil aussi là, veut revoir le processus dans les semaines qui viennent, ça serait vers la fin de l'été. Incroyable. Mais est-ce qu'on ne s'en charge pas un peu dans des processus administratifs? C'est quoi le problème de ne pas accepter une dérogation qui pourrait me permettre de faire ce que je veux faire? Il faut arrêter de demander de toujours pénaliser tout le monde. Qu'est-ce qui dérangerait quelqu'un que ça puisse se faire? Qu'est-ce qui fait? Sur quoi on se base pour dire, bien, écoute, non, on va attendre, puis c'est vrai que tu vas être accepté peut-être vers la fin de l'été ou peut-être. Dans le fond, c'est déjà dans le processus. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas, si je vous demande une dérogation, de faire celle-là plus vite, parce que moi, j'en ai besoin? T'sais, on s'en fâche dans des processus administratifs. C'est pas comme ça qu'on devrait runner tout ce processus, ni de considérer les citoyens de cette façon-là. On devrait être capable d'avoir un droit de parole puis être capable d'être écouté plutôt que de s'en fâcher dans « non, monsieur », parce que c'est ça que j'essaie de comprendre. Et sur quelle base on fait ça? Je comprends que oui, on ne peut pas parce que c'est la loi, mais tu sais, la loi, c'est puis les règlements, c'est la ville qui les fait à la fin de la journée. Mm-hmm. Non, là, on parle de la loi, c'est l'aménagement et l'urbanisme, c'est le gouvernement du Québec qui a adopté cette loi-là puis qui vient guider très clairement les différentes étapes. Alors, puis c'est ça, et après ça, il y a la question de oui ou non, est-ce que le conseil veut venir permettre la population de venir autoriser dans votre zone? Ça, c'est une chose, mais présentement, la loi, c'est très clair sur les étapes d'adoption, puis pendant un processus d'adoption de refonte réglementaire, on ne peut pas venir faire un changement à un règlement d'usage conditionnel. Donc, il faut faire les choses dans le bon ordre, puis ça prend du temps, là, malheureusement. J'ai une petite question pour toi, Jean-François. Là. Quand on va faire le résident, mettons résidence touriste, la zone elle va tomber résidence touriste, là, il va falloir y aller par plus que 50 % de les personnes qui restent dans cette zone-là votent contre. Donc, à ce moment-là, on ne pourrait pas faire de résidence touriste. C'est ça, hein? Il pourrait y avoir des demandes de registre, effectivement. C'est ça. C'est pour ça, M. Gilles, il faut y aller étape par étape. Parce que quand on va passer, on va faire dans les changements de zonage qui vont se faire pour résidence touriste plus tard, bien là, ça va par vote. Fait que si plus que 50 % des résidents de votre zone refusent les résidences touristes, à ce moment-là, vous ne pourrez pas avoir de résidence touriste. Oui, je comprends que toute cette affaire-là, c'est surtout à l'entour des lacs, mais je suis dans le milieu de nulle part, avec 100 acres de terrain tout seul. Tu comprends que si tous les voisins votent contre, ça dérange qui à la fin? T'sais, à un moment donné, il faut regarder le gros bon sens, la réglementation. La réglementation devrait être faite. T'sais, dans le fond, les citoyens, c'est ça qui fait une ville. Puis là, les citoyens sont en train d'essayer de s'expliquer, puis on se fait dire ben non. Mais si on veut qu'il y ait une croissance, puis qu'il y ait toutes sortes de choses qui se passent dans la ville Notre-Dame-de-la-Merci, il faut être un petit peu ouvert d'esprit. Être capable de recevoir ces demandes-là, puis d'arrêter juste de se rebuter à des réglementations administratives. Tu sais, c'est comme... On est pris avec ça, M. Gilles, avec il faut suivre les règles du gouvernement, passer au travers, puis une fois qu'on a passé au travers, là, ça va aller plus vite. On est désolé pour ça, mais on n'a pas le choix. Là. Il y a deux volets. Là. Il y a la portion... loi qui nous oblige de suivre une procédure particulière, là, puis y aller étape par étape. Puis l'autre volet, je comprends bien, c'est la volonté de mettre en place un projet, là, du fait que c'est compliqué. Puis si je recule un peu dans le passé, pourquoi on avait mis une réglementation additionnelle pour la résidence de tourisme? C'était une demande de la population qui avait été faite aussi à travers les élus. Fait que ça avait été travaillé dans ce sens-là. Puis ça avait été fait dans l'optique de dire, bon, regardez, on va venir consolider les acquis, reconnaître là où c'est autorisé. Puis dans le temps, s'il y a des gens qui veulent faire des demandes, bien, ça passera à travers un processus de changement réglementaire. C'est juste que là, le problème, c'est que là, le changement réglementaire va se faire, mais doit se faire après le reste. Là.
Ben, c'est comme s'il y avait un embargo sur ma demande. Ça n'a pas de sens. Puis ça fait 3 ans que ça traîne. T'sais, la réglementation, ça fait longtemps que ça dure. À un moment, il faut regarder le gros bon sens. Moi, je trouve que je suis un peu lésé dans tout ce processus, personnellement. Oui, ça se peut d'arriver déjà il y a plus qu'un an, en février, comme on avait déjà dit. Fait que, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait là? Fait que pour moi, ça devient un problème administratif qui serait simple à régler si on veut être ouvert d'esprit. Puis je sens que c'est juste une fin de non-recevoir parce que je ne suis pas vraiment content de ce que j'entends. Je comprends que vous êtes pris dans un processus, que c'est une des lois. Mais à un moment donné, comme j'ai dit, il faut être ouvert d'esprit et regarder ce qui se passe. Tu sais, si on veut qu'il se passe des affaires, des fois, à notre merci, il faut arrêter de dire non tout le temps. On vous remercie de votre commentaire, M. Gilles. Puis j'avais une autre question. Pardon, vous allez se faire un suivi avec moi? Oui. Parfait. J'avais une autre question. Une question, mais je ne suis pas sûr si c'était des règlements, là, qu'est-ce que j'ai vu. L'histoire de l'accès au garage municipal après avoir fait ces 3 voyages, j'ai vu à quelque part dans la réglementation que ça disait si tu en veux un autre dans l'année, ça va te coûter 250$. J'ai-tu bien vu? Est-ce que je peux répondre à ça, Martine? Oui. Non, veux-tu que je réponde à Martine? Oui, OK. On a mis ça justement parce qu'il y avait de l'abus. Nous autres, les conteneurs, quand le conteneur est rempli, on doit payer BFI pour le faire vider. Puis on a vu qu'il y avait des abus là-dedans. Donc, vous avez le droit à 3 passages. Ouais. Et ensuite de ça, vous avez le droit à aussi 2 autres passages qui sont gratuits les journées environnement. Donc, ça vous fait 5 passages dans l'été. Après ça, ce qu'on s'est dit, c'est que les gens qui font de la construction, ils peuvent louer un conteneur puis le faire vider. C'est pour éviter les excès. Le problème, c'est qu'il y en a qui arrivaient avec quasiment un semi-remorque, qui venaient vider ça dans un conteneur, puis c'était des personnes qui faisaient de la construction. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre des frais pour éviter les abus. Mais vous avez le droit, si on calcule, vous avez le droit à 5 passages dans l'année. Oui, moi, je veux juste faire un commentaire là-dessus. Moi, je n'ai pas de problème, monsieur, parce que je ne les fais même pas, mes 3, et je ne prends pas les 2 non plus. C'est juste comme quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris, parce qu'on essaye aussi de protéger l'environnement, parce que vous savez, une autre madame qui a parlé pour l'environnement. Et moi aussi, j'aime bien ça, l'environnement. Moi, c'est une affaire comme ça. Je pense qu'il faudrait faire un petit peu de discernement à ceux qui font de la construction et qui n'en font pas. Et s'il y a des gens qui ont besoin de l'avoir, parce que en réalité, qu'est-ce qu'on ne veut pas, là? Et que ça recommence, puis qu'on trouve des frigidaires, des lave-vaisselle, puis des n'importe quoi dans le bois, parce qu'il n'y a pas personne. Et puis, il y a des gens qui viennent porter des tires sur ton terrain parce que... Pardon? Exactement. Donc, je sais que... Je ne sais pas si ça fait cette affaire-là, mais à l'Albro, on s'est ramassé avec un pneu puis une vieille toilette sur mon terrain. Je ne sais pas si c'est parce que ça coûte trop cher déjà, là. Tu sais... On ne veut pas ce genre de patente-là, puis on ne veut pas que ça arrive. Fait que, je pense avant, c'était comme 25$ de plus, là, une affaire. Pour les résidents, ils sont des résidents qui ne sont pas dans la construction, je pense que c'était suffisant. Maintenant, d'aller pénaliser un résident, charger 250$, c'est un petit peu de chercher le trouble, je trouve, pour qu'on se ramasse encore avec des, comme j'ai mentionné, toutes sortes de résidus qui vont se ramasser dans le bois parce qu'ils ne veulent pas payer 250$, puis ils ont déjà dépassé leur affaire. C'est un commentaire que je fais et je comprends que ça coûte de l'argent pour la ville, mais je pense qu'il faudrait faire un peu de discernement pour voir, OK, s'il y en a qui font de la construction, bien, ils devraient avoir un permis d'entreprise, c'est pas pareil. Que vous en pensez, M. Bertrand? Mais on va, parce que ça, c'est temporaire parce qu'on est en train de planifier un centre de tri. Ça va prendre quelques années. Quand notre centre de tri va être en place, ça va peut-être changer la réglementation parce qu'il va y avoir quelqu'un à temps plein qui va être au centre de tri pour accepter les déchets. Fait que pour le moment, il y avait de l'abus, puis la plupart des citoyens vont payer à cause de quelques personnes qui font des abus, mais avec 5 passages, là, avant, il y avait seulement 2 passages. On l'a monté à 3, plus les 2 journées d'environnement.
5 passages. Puis dans les journées d'environnement, il y a des personnes qui viennent porter des pneus. Ben, c'est gratuit, les pneus, et puis on les récupère. Fait que, puis même, on récupère les pneus avec des jambes dessus, et les travaux publics enlèvent les jambes parce que recyclent pneus, ils ne prennent pas les pneus avec les jambes. Fait que, ben, on fait notre effort au niveau de l'environnement. Vous pourriez parler à Mme Perrault, qui est la conseillère en environnement, elle pourrait vous expliquer tout ce qu'on fait en question d'environnement. On a mis un règlement sur le lavage des bateaux pour éviter les algues, la myophile aipi, les algues bleues sur nos lacs où il y a des descentes à bateaux. Fait qu'on fait beaucoup au niveau de l'environnement. Mais il y a des choses qui... Oui, allez-y. Non, non, mais je comprends très bien là, parce que je suis là-dedans, là, je fais partie de l'Albo, mais je suis au courant de toutes ces choses-là. C'est juste un commentaire que je faisais parce que je trouvais... Puis c'est correct que ce soit un tarif pour essayer de réduire ces affaires-là, mais j'avais été surpris. Ça peut avoir un impact négatif. Mais juste pour clarifier, c'est pas dans la réglementation d'urbanisme qu'on exige cette tarification-là. On a encore ça. Et pourtant, c'est un autre règlement municipal qui gère spécifiquement, peut-être. C'est ça? Oui, c'est un règlement. C'est la réglementation, Jean-François. OK, il y a un règlement pour ça. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Monsieur Piché, excusez, Monsieur Gilles, est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, je pense que je vais attendre vos commentaires. Là. J'imagine que vous allez me revenir rapidement. Oui, je vais m'asseoir avec Mme Bélanger, puis je vais vous revenir avec ça. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Piché, est-ce que c'est une vieille main ou c'est une nouvelle main? Non, c'est une vieille main. Le seul commentaire que je pourrais faire sur ce que Gilles vient de dire, c'est que quand on demande, c'est parfait, là, les 5 accès et tout ça, là, c'est juste de voir, quand on demande un permis de construction, tu sais, le béton de plus de rénovation, peut-être d'avoir, je ne sais pas, pour un montant X de plus ou avoir, mettons, un ou deux accès de plus au garage municipal, là, au centre de tri. Là, tu sais, parce que quand tu demandes un permis de rénovation, habituellement, c'est là que tu fais plus de déchets. Là. Je ne sais pas si ça peut aider ce que Gilles ou dit. En temps normal, monsieur... Habituellement, Bertrand, habituellement, quand les gens prennent un permis de rénovation majeur, agrandissement ou construction neuve, on demande au propriétaire de louer un conteneur parce que c'est trop des gros volumes de déchets. Souvent, okay. Une construction va générer un 45 verges, puis c'est la grandeur du conteneur qu'on a au garage municipal. Fait que le garage municipal, c'est vraiment pour des petites quantités. Là. On parle de remorques de 4 pieds par 8 pieds environ. Fait que quand on fait des travaux de rénovation qui génèrent plus de déchets qu'un 4 par 8, ben, on devrait louer un conteneur à ce moment-là. Là. Parfait. OK, merci. Parfait. Fait que là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Là, il est 9h. Fait que j'imagine qu'il y en a qui veulent passer à autre chose. On vous remercie d'avoir participé à la consultation publique. Et puis, le conseil va s'asseoir puis regarder toutes les demandes qui ont été faites ce soir. Fait qu'on vous remercie infiniment, tout le monde. Fait qu'une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci de votre merci, place. Bonsoir. Merci, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Chantal, t'as les pouvoirs, toi? Veux-tu? On t'entend pas? Je cherche mon bouton là. Bertrand est parti. Non, il est avec. On l'entend. OK. Monsieur Brisebois. C'est bon? Bon, moi, je suis très. Je vais juste éteindre.